spéciale dans deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par l'Ancien de la lutte, moi-même DJ Holiday. Et à mes côtés, comme toujours, ou presque, un podcast. Là, un, j'ai pas fait un podcast. Fait que ma streak est finie. C'est vrai, faut recommencer au début. On aurait aimé ça l'appel contre quelqu'un d'autre que Dave. Mais... qu'on salue d'ailleurs. Oui. Sinon, un podcast intéressant aujourd'hui. Un review de pay-per-view historique avec les débuts d'un des lutteurs les plus charismatiques de l'histoire, Flash Funk. Il était-tu dedans? Ben oui. Rocky Maivia! Le Rock! Et pas juste ça, un match avec Brett contre Austin. Une bataille pour le championnat de WWF avec Sid Justice, Sid le cinglé pour les intimes, qui a affronté Shawn Michaels, le Heartbreak Kid. Très gros combat. Ben oui, évidemment, il n'y a pas juste trois combats sur la carte. Ben, regardez que ça a l'air, comme si au final, il y aurait peut-être juste trois combats sur la carte. Des fois, c'est mieux d'avoir de la qualité que de la quantité. Exactement, puis parlant de qualité, ben, le podcast en agence de métal est disponible où, mon cher Marc? Il est disponible sur YouTube en vidéo, et là, en audio, il va être disponible sur Balado Québec, Spotify, Apple Podcasts. On est aussi disponible sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter, pour voir toute l'actualité, nos petites niaiseries qu'on pose de temps en temps. Mm-hmm. Sinon, de temps en temps sur Twitch, là, ça fait deux semaines qu'on n'a pas fait, mais on va venir en force bientôt sur Twitch. Puis, mais tout ça est possible grâce à deux excellents commanditaires. Je vais y aller à l'inverse, TJ, pour cette fois-là. D'accord. Je vais y aller avec mes chums de Tabrustic en premier. Hey, boys. C'est ceux qui tiennent l'ordi en ce moment que vous nous regardez dessus. Tabrustic.ca, Facebook, Instagram. Tabrustic, des bons Jack qui font des matériaux en bois faits à la main, une compagnie québécoise qui ont ouvert pendant la pandémie, donc allez les encourager si vous avez des petits bidous en trop, puis ce serait pas déçu de la qualité. Et sinon, notre autre commanditaire qui est le même commanditaire qu'Occupation Double. Quoi, pour vrai? Oui. Gourou! La boisson énergisante québécoise depuis 1999 qu'on peut acheter dans tous les bons détaillants, dépanneurs, stations-service, épiceries. Et cette semaine, TJ a décidé de faire un changement, chose qu'il n'a jamais faite en plus de 30 ans. C'est pas vrai. Il a pris une nouvelle sorte, la nouvelle sorte de gourou. Oui. Est TJ? On sort la caméra? On va peut-être le butcherer un peu. Ouais. Le Guasuya Tropical Punch! Hey, un punch aux fruits, au tropique. Des petits éclats tropiques dans la bouche. Ben oui, des palmiers, n'importe quoi. Un palmier dans la bouche, ça doit faire mal. Ben, tu m'as piqué ma curiosité la dernière fois sur le travail à la table sur YouTube. Yeah. Tu m'as dit qu'il y avait une nouvelle sorte. Ouais. Puis c'est ça, j'ai trouvé, puis j'ai cherché, puis j'ai trouvé. Puis que là... Je suis content de t'avoir piqué. Ouais, pas littéralement. Pas une piquerie, ça, là. J'ai mis trois doses. Okay. Parfait. Fait que là, à cause de ça, j'ai pas goûté, je goûte ça devant vous, madame. Attends, le petit bruit. Ah, ouais. Oh, c'est bon. Ouais. Santé. Puis là, évidemment, il va dire que c'est bon, parce qu'il faudrait pas des sur bon nos commanditaires, hein, TJ? Malheureusement. C'est excellent! Oh, est-ce que c'est meilleur que Matcha? Oui, ben là, Matcha, c'est dur à battre, là, ouais, c'est dur. Ouais. Mais non, il est excellent pour vrai, pas de joke, là, il est vraiment, vraiment bon. Puis avant de passer aux choses sérieuses, à la fin du podcast, on va vous annoncer la prochaine biographie. Oui. En début d'année 2022, parce qu'il n'y en aura pas pour le mois de décembre, mais en 2022, on revient en force. Ouf. Avec une nouvelle biographie, vous allez être content ou... Ouvrez vos yeux! Ouais, c'est pas grave. Ouais. Ça va être intéressant, puis évidemment aussi, en janvier, on a le Rumble qui s'en vient aussi. Rumble season. Avec des reviews, on va faire, puis évidemment, des previews du show de cette année, ben de 2022. Ouais. Puis, plein d'autres affaires aussi, on a, au mois de décembre, on a évidemment le Year in Review. Yes. Avec les boys d'Angers de Metal, nos collaborateurs. La gang va être là. Puis aussi, on va avoir un review spécial sur No Holds Barred, le film d'Hulk Hogan avec Zeus en 89. On va analyser l'aspect lutte et l'aspect cinématographique. Exactement. Plein d'affaires la même, puis c'est disponible partout, comme on l'a dit, puis sur Twitter, Instagram et Facebook pour les détails. Puis je sais que la WWE a pas la cote ces derniers temps, mais si vous voulez voir, il y a la house show qui s'en vient à la Place Belle bientôt avec peut-être... qui sait la dernière chance de voir Kevin Owens en action à la WWE. Pas loin de chez nous, en plus. C'est juste à côté de chez vous. Mmh. Fait que tu sortiras chez vous, Kira. Oh, on verra. OK. Là. Ça va être un peu frais, il va sûrement faire frais en fin du mois de décembre. Là. Ouais. C'est Noël. T'as Noël, t'as déjà ta tuque, t'es Noël, toi. Et voilà. C'est tout ça, j'ai mis ma tuque, t'as fait. Ouais. Fait, il fait frais. Une place qui faisait pas frais, c'est, Service 96, en plein milieu de la grosse pomme. Le noyau?
Non, pas le noyau, la grosse pomme New York. En plein milieu de la pomme, c'est New York. Oui, j'ai compris. Pas en pédoncule, certain. Et ça, c'était. Oui, c'est une pomme, pédoncule. Ah, ouais, il y a le quiz aussi à la fin du podcast, n'oubliez pas. Oui, c'est moi qui fais le quiz à TJ. Ouais, un solo quiz. Solo! Solo! Puis ça a été le 10e pépule de son nom sur WC 96, ouais. Et évidemment commencé en 86. Commencé en 87, ça? Commencé en 87, c'est trompé. Ça fait 9 ans. Non, c'est 10e année. Non, c'est 87 ça a commencé sur WC. fais pas comme moi d'habitude, hein? Je pense en 87. 86. Ok, continue, je vais le checker. D'accord. J'ai peur d'un coup, mais je pense que j'ai raison. Bref, ça c'était le 10e événement de ce nom, jusqu'à preuve du contraire. Ça a été présenté par Curry Fighters de Milton Bradley, un jeu que j'ai adoré quand j'étais jeune. Tu sais, Curry Fighters, tu s'en faisais quoi? Les deux gars de karaté. Categories? Non, catégories. Mais tu me parles des croches. Karate Fighters. Ah, ben oui, oui. Les deux bonhommes qui se tabachaient. Je l'avais. Je l'avais, c'était pas dans Chris, ça. Puis d'ailleurs, le premier Survivor Series, le 26 novembre 1987. Bon, je te dois un gourou. En direct du Richfield Coliseum en Ohio. Oui, Columbus, Ohio, ça. Non, Richmond, je viens de te dire. Richfield? Ah, mais c'est... Richmond, mais non. Ouais, il c'est où, en Ohio, oui, il fait chaud. Fait que, hey, déjà 1-0 pour moi dans le quiz, puis je participe même pas aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que tu vas peut-être avoir les bonnes réponses. Anyway, ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est en direct du Madison Square Garden de New York City, évidemment, dans... Dans la grosse pomme. Qu'est-ce qui est tombé? C'est Sid. Sid s'en va. Dans la grosse pomme, en plein milieu. Il a décidé qu'il est tombé, Sid. C'est un Saint-Église. Ah ouais, c'est ça. Puis ça, c'était le 10e événement de ce nom, oui. Malgré ce qu'on me dit. C'est le 9e. Puis ouais, c'est ça. Puis dans le free-for-all, le kick-off, il y avait un match spécial, un autre 4-on-4 Elimination Survivor Series style, avec les Smoking Gun Explodes, avec d'un côté Team Billy Gunn. Billy Gunn, captain de l'équipe, c'est pas crédible. Avec Billy Gunn, Justin Hawk Bradshaw, le Sultan et Salvatore Sincere. C'est comme un mélange de cowboy et de mexicain. Un mélange de gimmick, tout court. Ouais, c'est ça. Et la position était l'équipe de Bart Gunn, le capitaine, avec Aldo Montoya. C'est pas Billy Gunn, le capitaine? Mais non, Billy Gunn, c'est capitaine de l'autre bord. Ah oui, oui. Ça affrontait. Oui. Ouais, c'est vrai. Ouais. 1-1, là. Ouais. Bart Gunn, avec Aldo Montoya. Ouais. Jesse James, et Bob Sparkplug Holly, un de nos préférés. Ouais, ben oui. Et... Le s'en vient. Et dans ce match-là, ben, c'est l'équipe de Billy, de Bart Gunn qui a gagné après que Billy Bart Gunn ait mis Billy Gunn, avec un roll-up, puis, non, c'est ça. Un match de free-for-all, rien de spécial, là. Pas mais... mal la seule chose que Bart Gunn a gagné dans sa vie. Il a gagné Brawl for All. Non, il a perdu contre Butter Bean. Ben, mais il a gagné le tournoi Brawl for All, ça c'était une exhibition par après. Une exhibition, ouais, c'est vrai. Quand même gagné ça. Et champion par équipe aussi. Tu vois que tu. C'est grâce à Billy Gunn. Bon, je suis pas d'accord. Okay. Bref, fait que les commandants de la soirée sont Jim Ross avec Jerry King Lawler et Vince McMahon. Mais Jerry Lawler, c'est pour un match seulement parce qu'il y a un match après dans la soirée. Fait qu'il peut pas être là tout le temps. Fait que dans le premier match, après ça, il disparaît pour la soirée. Puis il y a des bons remplaçants au camp de la soirée. Oui. Puis fait que ça, avec vu que Jerry t'occupait tantôt, ben ils ont. WF prend le contrôle de la grosse pomme, dit le gars du voice-over. Et après ça, il parle des matchs de la soirée. Puis après ça, on est prêt pour le match numéro 1. Oh. Un match 4 contre 4 Survivor Series style elimination. L'équipe de Owen Hart, le British Bulldog et le New Rockers, Leaf Cassidy et Marty Jannetty, a affronté l'équipe des Godwins, Henry et Phineas, avec Doug Furness et Philippe Lafond. Ah oui! Ah oui, Doug puis Phil. Ouais. Québécois. Dr. Phil. Ouais, puis pour ceux qui connaissent pas, Leaf Cassidy, ça me dit peut-être pas quelque chose de même, mais c'est Al Snow, évidemment. Ouais. Puis aussi, il y a eu... je peux faire une comparaison, mettons. Hein. Ouais. Furness puis Lafond, là. Ouais. Je dirais que ça ressemble pas mal un peu à, genre, Ghost Girls Tag Team, ou ben genre FTR, dans le sens de style de lutte, là. Ouais, style de lutte, genre, pas trop charismatique, mais genre bon lutteur, là. Sauf que l'autre, c'est encore pire que les deux autres, là. Furness puis Lafond, ils ont zéro charisme. Comparé à Shawn Benjamin pis... C'est qui ta deuxième équipe que t'as comparé? FTR. Je pense que j'irais plus avec les premiers. Niveau talent, mettons. Oh ouais, c'est sûr. Parce que FTR est meilleur que les autres équipes. Ouais, genre, je parle dans le sens de... C'est pas nécessairement dans l'accomplissement. Oh ouais, parce que... Ouais. Ok. Ouais. Ah. Mais fait que ça, fait que... Pour commencer le combat, il y a Marty qui malheureusement se blesse à la jambe. Mais ça le fait boiter. Pis quand Enrio le lance dans les cordes, il tombe. Il perd met du pouce sur sa jambe. Après ça, il y a Marty qui whip Henry dans le coin, mais il y a Phineas qui se met dans le coin pour empêcher, adoucir le coup de Henry. Mm-hmm.
Puis évidemment, les Rockers, en étant heel et paix, ils ont fait la même manœuvre, sauf que Henry a kické Lee dans les jambes, dans le ventre plutôt. Ouais. Puis il a fait son slap drop reverse DDT à Marty, puis l'éliminé du combat. Mais il a pas eu le temps de célébrer longtemps, parce qu'aussitôt qu'il a fait son finish, il est rentré avec un coup de pied circulaire, puis ça a éliminé Henry Godwin, ça fait que c'est maintenant rendu 3-3 si rapidement. Ouais. Il y avait du rythme dans ce temps-là. Ben oui, c'était comme tout de suite, bang, bang. Ouais. Ça. Le temps pas l'autre. Puis, pas après ça, c'était 3-2 pour les Heels quand Bulldog éliminé finit avec un Power Slam, son finish, le Ring Power Slam. Exact. Là, c'est maintenant un avantage 2-3 pour Furnace et Lafond quand leur début à la WBF, ils ont dû faire la retorte déjà. Ouais. Un enfant qui a fait plus tard dans la soirée, un autre newcomer aussi. C'est vrai. Ouais. Puis, après ça, il y a Furnace qui a manqué un drop kick. Un très beau drop kick en plus, puis ça a fait qu'il mangeait un petit hit d'une couple de minutes, évidemment, par les trois méchants. Mm-hmm. Après ça, après un Godbuster de Leaf Cassidy sur Doug Furnace, il a été capable de faire la hot tag à son partner Lafond, qui a placé Leaf Cassidy sur la troisième corde à l'envers, puis il a fait une genre de T-bone suplex pour faire tomber sur le ventre, qui est complètement. Faut que t'arrêtes de parler de ça. Ça me donne toujours faim quand tu me parles de T-bone. Excuse-moi. Suplex de l'os. C'est qui joue au baseball au parc Lafond, hein? Lafond, puis. Ah, c'est pas. Okay, on n'a pas joué au hockey à Lafond, ça? Jamais. Ok, bon, merci, merci de mettre de l'eau sur moi. Puis ça, mec, oui. Ben après ça, évidemment, ça a été assez pour éliminer Leaf Cassidy, fait que c'est maintenant rendu 2-2, les champions par équipe actuels. Oui, contre Furnace et Lafond, 2-2. Pis ça leur donne un bon, tu sais, s'ils battent les champions par équipe, mettons, ça leur donne un bon push peut-être pour être de futurs aspirants. Exactement. Après ça, il y a Owen qui fait belly to belly pour 1-2. Après ça, un elbow drop de la deuxième corde marche pas non plus. Non. Là, les champions commencent à se demander qu'est-ce qu'ils vont faire pour battre les nouveaux lutteurs, parce qu'ils, tu sais, ils ont pas vraiment le temps, ils ont pas eu de voir le scouting report là-dessus, là. C'est ça, ils savent pas, ils ont jamais vu lutter, puis eux autres, ils ont rien à perdre, fait que ils vont à fond. C'est comme un quarterback, là, c'est comme un quarterback qui a jamais joué de la saison, d'un coup, il joue, puis il a une bonne game, parce qu'ils ont pas de film pour le contre-attaquer. C'est ce que je veux dire? Ouais, il aurait pu checker les matchs universitaires. Mais... ouais, c'est pas un enfer. Ok, parfait. Il y en a pas, matchs universitaires à lutte. Non, mais là, on parle de football, là. C'est un recap de football. Ben, là. T'as pu me dire depuis le début, mais moi, j'ai pris des notes de lutte. Ben, on va s'arranger pour pareil. Ouais, l'autre bord, mettons. Et après ça, on a eu Lafond qui a surpris le Bulldog avec un crucifix pin qui a transformé en sunset slip pour un compte de 3. Donc là, Owen est tout seul contre les deux nouveaux. Le meilleur. Oui. Et après ça, il y a, juste avant de partir, le Bulldog a fait un chop block dans le dos de, sur la jambe de Philippe Lafond. Ce qui a fait que... ça te fait rire, ça, ben. Puis, on a profité pour travailler la jambe, évidemment, de son adversaire qui était un peu amoché. Préparer sa prise de finition. Ben oui, qui a réussi à faire, justement. Ouais. Sauf que Furnace est arrivé pour briser la soumission, évidemment, parce qu'il voulait pas être dans le trou. Le contraire, il veut garder l'avantage. Ben oui, évidemment. Ce qui est pas fou. Ouais. Après ça, on a Lafond qui fait un back kick sur Owen, un peu à la RVD, si on veut. Ouais. Puis, après ça, il fait la tag à Doug. Mais la tag, ouais, c'est pour son poste. Ouais. Bah oh, ouais. C'est la tag. Ouais. Non, j'ai dit la tag. Ah, ok, j'ai compris la hot tag. Elle peut être chaude si tu veux, ça me dérange pas. Comme un hot ticket, mais hot tag. Arrête de parler de bouffe, toi. C'est. Puis il fait, Furnace fait une really German suplex à Owen qui tombe drette sur le ventre. Un beau move, puis c'est assez pour la victoire. Fait que, pas les nouveaux champions, mais ceux qui ont battu les champions par équipe dans un combat Star Series, c'est Furnace et Lafond qui font leur début. Un début de statement. Oui, ça les met straight to the top aussi pour le contendership. Là, j'ai une question. Oui. Lafond Furnace sont pas déjà teamés avec les Rougeaux dans un Star Series match? Non, tout est avec les Hart Foundation, toi. Star Foundation, ouais, c'est ça, c'est le match que. Team Canada avec Team États-Unis avec le Patriote, tout ça, c'est ça? Le Patriote n'était pas là, c'était blessé, c'était Goldos qui a pris sa place. Oui. C'était, en fond, c'était Anvil, Bulldog, Furnace pis Lafond contre Ken Shamrock. Non, pas Ken Shamrock, Goldust, Mark Merrow, Vader pis Steve Blackman. C'est l'année d'après. Ouais, c'est ça. Hein, c'est ça. Je crois qu'on a reviewé, évidemment. C'est vrai. Ouais. Ben oui, mais c'est correct. Ouais, ben. T'entends pas avec ça? T'es très zen. Je suis zen. T'as pas fait zen. Et fait que évidemment, ils viennent battre des champions avec eux, fait que c'est vont être sûrement les prochains on top of the list. Ouais. Mais en fond, c'est un match qui était quand même très correct, qui est devenu meilleur quand que le Bois Mort est sorti, là, les Godwin puis Marty, genre. Mais Marty, on s'entend, Marty avec une jambe blessée, là. Ouais.
Ouais, mais Marty a toujours été un peu blessé à son orgueil, à sa jambe. On n'a pas tout en main, lui, hein? Non, mais j'avoue que quand tu mets Owen puis le Bulldog contre Furnace puis Lafond, niveau fait... lutte... Ah, ça fait quoi de celui-là, en maudit? Mais par contre, niveau charisme, t'avais pas mal juste Owen dans ça. Bulldog, c'est pas le plus charismatique non plus. Tu parles des quatre derniers? Quatre, ouais, ouais. Bulldog, il est pas... Non, 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 non. Bulldog, il est correct, mais c'est pour... Mais on était là pour voir de la lutte, puis c'était là pour pousser le new talent. Ben oui, tu poses du nouveau talent, puis le match est, bon, est pas mauvais, puis ça fait un petit pas pour commencer le gala. Là. On devrait envoyer le tape à Vince, pousser les nouveaux talents, non? Ouais, mais après, ce qui est arrivé avec l'autre après, par après, je pense ouais, pas. Ouais, mais on peut s'en parler plus vite, ça? Ben oui, ben oui, justement, ils ont eu leur retard au shot, quand même, en février, 4 mois plus tard. Ouais. C'est quand même long. C'est quand même long, hein. Ouais. Puis à Final Four, puis ils ont perdu évidemment contre Owen et Bulldog, qui ont gardé leur ceinture. Mm-hmm. Puis par la suite, ils n'ont pas fait grand chose. Ils se sont blessés un moment donné dans un accident de voiture. Puis il était avec Sid, puis un autre gars aussi. Puis il y a un accident de voiture, puis ils sont blessés pendant genre 6 mois. Pour vrai, là. Oh, ouais, pour vrai, vrai. C'est pas un... Non, non, puis ils ont fait leur char, ont fait plein de tonneaux puis tout. Là. Avec Sid? Ouais. Est-ce que c'est juste possible que Pichel Chat? Je sais pas. Mais ils ont fait ça comme ça, puis ils ont volé. Ça semble de voir Sid dans le char d'avant. Les gars ont un accident. C'est sa meilleure affaire d'avoir un accident avec Sid. Oui, fait que ça. Okay, interview time après ça avec ouais. Kevin Kelly, avec Mankind et Paul Bearer. Paul Bearer qui était carré dans ce rôle-là. Ouais. Non, 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 j'irai pas dans la cage, non, non. Oui, pour me rappeler. Puis ils sont dans le ballroom pour l'interview. Ouais. Parce que c'est plus, meilleur pour l'acoustique. Ben oui, pour le bruit qui... Ben, c'était pas pour ça qu'il faisait. Ok, ben, je sais pas. C'était pour le look, je pense. Ah, ben, c'est ça. Glow, c'est là. Sa maison, mettons? Ouais, genre. Ok. Pour l'acoustique, tabarnak. Ben là, Grim, c'est important, bien s'entendre. Important, le son, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, on sait qu'est-ce qu'on parle. On peut témoigner de ça. Oui, exactement. D'ailleurs, je check le son, tu piques en crise. Ben, merci. C'est bon. Merci. Ben, tu vois la même affaire, même si je parle. Ah, t'es une voix de ténor. Toi, t'es comme le Marc Hervieux du podcast. Ok, d'accord. Oh! ouais, parce que dans le ballroom, il faut faire la promo avec Mankind Paul Bearer. Puis, Kelly, il rappelle à Paul Bearer qu'il va falloir qu'il soit accroché sur le top dans une cage de requin en haut du ring, vraiment haut. Puis, il dit non, non, moi, j'irai pas là-dedans. Moi, on prend tout. Non, non, j'irai pas là-dedans. Pis là, Mankind, il dit... Ah, c'est parfait. Mankind, il dit... Hey! C'est quoi? Appoyez Paul Bearer. Non. Pis, ouais, ça, pis il dit, inquiète-toi pas, mon oncle Paul, moi, Taker me fait pas peur. Pis, il dit qu'il va piler sur Taker comme une insecte qu'il mangeait avant. Parce qu'avant, il était en bois loup, fait qu'il mangeait des insectes. Pauvre. Mange ce qu'il veut. Mange ce qu'il peut, en fait. Ouais. Pis, oui. Puis il dit qu'il va faire pareil avec... il va le manger alive. Fait qu'il... Il n'enterrera pas alive, il va le manger non. Alive. Non, puis peu importe quelle forme qu'il va prendre, Mankind n'a pas peur de lui. Have a nice day! Il est sûr, have a nice day? Oui. Oui. Ok. T'oses me douter. Match numéro 2. Oui. On se transforme tout de suite après ça. Match numéro 2, c'est Undertaker qui affronte Mankind dans un combat, ben, normal, là. Un combat où Paul Bearer est dans une cage de requin oui. Au-dessus du ring. Exactement, puis... Au-dessus. Au-dessus du ring. Ouais. Et oui, et puis... en plus de ça, si, mettons, si pas Taker gagne le combat... Ouais. Il... Bon, ben là, c'est... C'est le comme... Il tombe. Il fait des tonneaux. Ouais, il fait comme le... C'est ça. Puis, alors, ça... Je vais dire quoi... Et ben, ça, si Taker gagne, il a 5 minutes dans le ring avec Paul Bearer tout seul... Fait qu'il va pouvoir régler ses comptes avec celui qui l'a trahi à SummerSlam 96, une couple de mois avant. C'est 5 minutes, par exemple. Ouais, ben tu sais, en tout cas. Ça dépend de quoi. Mm. Puis la rivalité, évidemment, a commencé l'an dernier WrestleMania 12. Mm. Mais pour ça, pour plus de détails là-dessus, allez voir nos reviews de King of the Ring 96 et Buried Alive. On en parle beaucoup de cette rivalité-là dans ces reviews-là sur YouTube, Apple Podcast, Spotify et Balado Québec. C'est une des rivalités qu'on a le plus aimé, qu'on disait que Taker enfin avait un gars à sa hauteur. Là. Parlant d'auteur, Taker descend des hauteurs de MSG. Oui. Oui, avec des une grosse veste de cuir, il était en cuirette. Oui. Puis il y avait des ailes de... Oui. J'ai mis la photo à travers la table cette semaine. Oui, la c'est tragédie, t'as vu? Oui, j'ai vu. Ouais. Mm-hmm. Je vais le remettre dans celui-là, mais ouais. C'est, j'aimais bien ça, moi. Ben ouais, ça fait nouveau. Ça, il commence plus à s'en aller un peu dans son style ministry qui s'en vient. Ouais. Puis évidemment, c'est un nouveau style parce que, tu sais, il revenait de son match Buried Alive. Ouais. Fait que logiquement, c'était genre un nouveau début. Ça l'a changé, là. Ouais, c'est ça.
C'est comme un reborn. Son jeu. Exactement. Il est rené de ses cendres à Summer Series 96. C'est pas bon, fumer les enfants. Non. Une belle petite caméra dans la cage nous montre Paul Bearer, monté à l'auteur de l'aréna. Oui. Oh non! Oh, Lynn, il était cœur. Il est fou. Ouais. Alors, on a Taker avec un drop to hold sur Mankind pour ensuite s'attaquer à sa main, le Mandible Claw. Oui. Et Taker, il se mate. Ouais. Pas juste un dead man, un zombie dead man. Il passait dans la ring aussi. C'est un zombie smart. Oui. Et après, on s'en sort dans la foule et Taker backdrop Mankind qui se lance vers lui. Il était dans la foule et il l'a piqué de l'autre bord de la barricade en backdrop. Pas surpris que Mankind mange plein de bombes dans son... Non, vraiment pas. Après un low blow sur le Phenom, Mankind flip sur l'adversaire du apron en faisant un genre de senton, si on veut. Oui. Quelque chose de quand même impressionnant pour Mankind. Absolument. Oui. Après ça, il fait son beau pile driver en tenant les culottes, comme ça. Oui. Avec dans le maillot de Taker, ce qui fait que Taker a spiké sur le coup. Et après ça, on a eu... il y a un old school de Taker. Mm-hmm. Qui est évidemment, avant que ce soit le old school. Ça s'appelait-tu le old school dans ce temps-là? Pas dans ce temps-là, non. C'est plus quand il était revenu en American Badass, ce qu'il faisait, c'était le monde disait old school. Ah, parce qu'il avait changé de gimmick. Ouais. Il criait souvent aussi, là. Old school! Ouais. Après ça, on a eu, après ça, le old school, Ben Level Claw encore! Sauf que là, Taker, le gourou était trop bon, il m'a enlevé le mot de la bouche. Puis non, ça, il a pris le genre de la main de Mankind, puis il l'a balayé, puis il l'a pris en choc sang avec à Mankind après. Il a nettoyé corps. Ouais, il a fait ça, non, toi tu fais pas ça, moi je te pointe. That's it. Ouais. Puis évidemment, ça a été pour un compte de deux. Puis après ça, il y a Mankind qui a réussi à sortir un genre de spike, un genre de couteau, si on veut. Ouais, tournevis? Plus un petite lame de couteau, là, mettons, là. Ouais. En tout cas, un objet contendant. Une lame d'exalto. Oui, une lame. Puis une couple de fois, il a stabé de. Chose qu'on verrait peu aujourd'hui. Là. Ouais, c'est un très agression, là. C'est un peu hardcore, un peu pour le temps. C'est quasiment une préméditation de meurtre. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, tu peux pas tuer ce qui est déjà mort. C'est vrai, c'est ça que tu peux... C'est vrai, mais tu te rappelles-tu, Manu, il y avait Berserker? Il avait essayé de tuer Taker avec son épée. Oui, c'est vrai. Puis il avait l'autre, c'est juste le vide même, c'était malade. Ah, la belle époque. Oui, je voulais dire. Ouais, je sais. Et après ça, c'est ça, on a eu... Mankind a embarqué sur Taker pendant qu'il était dans le coin, mm-hmm. pour essayer de le stabber un peu, sauf que Taker était bien placé, il a transformé ça en tombstone. Pas dans ce temps-là. Ouais, ça. Surtout c'était quand il va revenir en American Badass, ouais. Il va le faire. Surtout contre Triple H. Puis ça, après le tombstone, évidemment, que Mankind a spiké, mm-hmm. ben évidemment, c'est assez pour Taker pour gagner le combat, et enfin, bat Mankind. Puis là, ça veut dire que... Paul Bearer est là, il en revient pas, là, il est vraiment pas content, hein, il est plus dans ses culottes quasiment. Ouais. Sauf que quand Taker ouvre la porte de la cage, on voit l'Executioner qui arrive en courant pour aider son ami Paul. Ouais, je sais pas comment tu peux dire sa relation avec Paul Bearer, c'est quoi là? Son associé? Un bouche-trou. Ouais, un bouche-trou, un associé, un bouche-trou. Ouais. Même affaire. Puis il a réussi à se pousser. Mm-hmm. Fait que pendant qu'il sent là, Executioner a mangé un flingue pour le Taker qui était en tabarnouche parce qu'évidemment, lui, il voulait mettre la main au collet de Paul Bearer. Fait que c'était vraiment en crise pour ça. Je le comprends. Il s'est sacrifié pour Paul. Donc. Oui, exactement. Mm-hmm. Puis évidemment, ça pouvait être l'affaire de Taker, malheureusement, mais c'est la vie. Ouais. C'est elle qui nous choisit. Ouais. En fait, c'est un excellent match violent, j'ai trouvé, avec victoire clean de Taker, ce qui est quand même le fun. Ouais, absolument, c'est... Ben, il y a des interférences, whatever. Ben, en fait, Taker a eu son anan en allant sa victoire, mais il n'a pas eu ce qu'il voulait vraiment. Ouais. La main sur Paul Bearer, donc ça permet à la rivalité de continuer par après. Exactement. Puis, pendant la rivalité continue, le mois prochain, yes. À Inner House, it's time! Taker va se débarrasser de l'Executioner dans un combat Armageddon Rules. En fait, c'est pas de disqualification. Ouais. Un nom fancy pour le même enfant qu'ils font d'habitude. Ouais. Puis, fait que, évidemment, après ça, l'Executioner, c'est autour de Vader se mettre dans les pattes de Taker. Au Rumble 97. Puis, il va y avoir un autre match avec Taker et Mankind, là, qui va venir en 97. Revenge of the Taker, c'est un In Your House après WrestleMania 13. Après que Taker ait battu Sid pour la ceinture. Les In Your House sont très intéressants à faire, je trouve, parce que c'est des matchs qu'on
qu'on voyait pas tant à l'époque. Non, c'est pas des Big Four, évidemment, non, mais c'est intéressant quand même. Il y a des petits bijoux qui sortent là, ça, des fois. Ben oui, souvent, il y a des très bons matchs qui sortent des New House, que le monde parle moins parce que c'est un des shows, mettons. Jean Bader, Taker, je me souviens pas tant de ces matchs-là. C'était correct. Ouais. C'est correct. Vader, c'est quand même un bon big man. Ouais. Mais ça dépend, parce que t'as eu Vader dans son prime, et t'as eu Vader aussi plus magané. Vader, le WWF, t'as pas été assez jour au jour. C'est là. Ça. C'est pas tout le temps bon. Non, il y a une couple de bons combats. Ouais, il y a une séquence. Sean, Ouais, Sean, ça aurait pas été meilleur si Sean aurait voulu coopérer. Ouais. Mais bon. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que, évidemment, c'est la fin pour, ce moment pour Mankind et Taker, mais il y aura d'autres matchs, comme j'ai dit tantôt, là, avec Reginald Taker, puis aussi un fameux King of the Ring que, bon, ça là, je sais pas ce qui est arrivé, par exemple, ça. Non. Et là, on a First et Lafond qui sont devant le studio de America Online à chatter. Ouais. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec elle. Ouais. Who cares? Sunny arrive pour commenter le prochain combat. Yes! Hey, quand j'avais regardé Pay-Per-View, je me rappelais pas qu'elle arrivait à faire les commentaires. Fait quand je voyais Lafond puis Furnace, de même, c'est bien plate. J'entends la tune de Sunny. Oh, tabarnouche. Business just picked up, JR. Quand t'entends la tune de Sony, ça sonnait comment, toi? La tune? Non, non, mais... C'est quoi la tune? I know you want me! I know you want me! Ouais. Moi, c'est la première fois qu'elle l'utilisait, en plus, je pense. Ouais. Un autre début sur un service, c'est underrated. The Rock, on s'en fout. Je travaille à chaque semaine pour avoir Sony au podcast, puis le jour que ça va arriver, je pense que TJ... Ben, c'est pas Jojo pour elle, ces temps-ci. Non? Non, non. Elle fait le pas? Elle était à l'hôpital, là, pas longtemps. Ah ouais? Une overdose encore? Non, elle avait la grippe. La COVID? Non, c'est pas vrai. Elle avait des problèmes avec une de ses co-stars qui la bat. Ah oui, elle fait du... Oui, oui. Okay. On souhaite le meilleur, Sony. Puis, on va dire, on en a parlé pour plusieurs autres personnes. Si vous cherchez un bon gars, TJ est là, surtout pour Sony. Exactement, les jours ensoleillés, évidemment. Oui. Après ça, on a l'interview time! Oui. Pardon. Avec Doc Hendricks, l'équipe de Triple H, oui. Hunter Stemsley, ouais. Pas le Triple H The Game qu'on connaît par après, ouais. Avec toute une brochette, ça. Triple H, Goldust, Crush Eater, The King Lawler, avec évidemment comme de Marlena à leur côté, puis avec Goldust. La délicieuse Marlena. Oui, avec son cigare à la main. Ouais. Il n'y a pas des cigares au chou. Doc demande à Triple H que vu que c'est 3 contre 4 ouais. Et à cause de la blessure de Mark Henry, ouais. Qui si Hemsley et son équipe pensent que ça va être super facile vu que c'est juste 3 contre 4, ouais. C'est dans le sac. Hunter dit que oui et qu'il va prouver à Mark Merrow pourquoi il est champion intercontinental qui était à l'époque. Ouais. Et Lawler dit à Mark Henry a faké une blessure pour les affronter parce qu'il avait peur de pas survivre contre le quatuor extraordinaire qu'il avait sous la main. Ce qui est pas faux. Oui. Et après ça, on va survivre ce soir, bébé, il a dit Joe Lawler à la fin. Ouais. Et pour terminer, Goldust avait ceci à dire. I will never forget the name of Goldust. Ça, c'est le fun à faire. Ouais. Ça, là, Goldust, là. Ouais. Un jour, peut-être. Biographie. Ouais, ouais, c'est jamais? Sûr et certain. Parfait. Match numéro 3. Oui. Le deuxième Survivor Series match à 4 contre 4 avec l'équipe que j'ai mentionné le plus tard. Le dernier? Non, l'avant-dernier. Je sais. Non, il y en a. Pour moi, ouais. Je suivais. Ouais, je suis sur le piton. Ouais. Lequel, je sais pas, mais je suis sur le piton. Il était pas à peu près sur le piton. Et match numéro 3. Ouais. Un autre Survivor Series match avec l'équipe de Hunter Stemsley que je l'ai mentionné quelques secondes avec Goldust, Drew Lickin' Lawler, Triple H et Crush. Crush en tant qu'il était un évadé de prison. Avec son tatou dans le front de main. Il avait sa veste de jeans aussi? Oui. Ouais. Son service de denim. Ouais, ouais, ouais. C'est pas la meilleure version. Oui. Crush. Qui a affronté l'équipe du Captain Mark Merrow, qui était avec le Stalker, Barry Windham. Ça, c'est l'angle de Bray Wyatt. J'entendais juste ça. Oui, ça l'est. Troisième podcast de suite. Oui. Avec les débuts de Rocky Maivia. Et la foule est en délire. Avec les frances, tout. Ouais. De même. Comme ça, wow, Rocky. Ça, c'est une couple de mois avant que ça soit Rocky Die, hein, on voit ça. Ouais. Et évidemment, Rocky Maivia, il a un partenaire mystère pour remplacer Mark Henry. Mais c'est qui? Ben attends, j'arrive là. Okay. Ils sont évidemment accompagnés de la jolie Sable. Oui. La deuxième plus belle femme à la WWF à l'époque. Qui est maintenant la femme de Brock Lesnar. Ils ont des enfants ensemble aussi, hein, je pense. Deux, je crois. Deux, ouais. Ouais. Okay. Je la blâme pas, puis je la blâme pas.
Moi, les deux, je suis all-in. Ouais. Puis, oui. Puis, Miro prend le micro avant de commencer. Oui. Puis, il demande à Hemsley s'il pensait qu'il était, il était si cave que ça, en pensant qu'il serait 3 contre 4 dans un match de cette envergure-là. Il a dit non. Il a dit, mesdames, messieurs, vous devenez fous pour Jake the Snake Roberts. Jake le serpent Robert. Oui, puis en plus de ça, il y a un très gros pop. Il est encore très populaire, même si c'était pas dans Best of Shape, évidemment. Exact. Relativement dans, en shape physique et mentale aussi. Mm-hmm. Puis non, fait que un gros pop pour Jake, puis toujours le fun de voir ça. Jake Roberts. Oui. Puis il fait, en arrivant, il fait sortir son les îles avec son serpent. Ouais. Lucifer, je pense que ça s'appelait à l'époque. Ça s'appelait Lucifer? Oui. C'est pas toujours le même nom, hein? Non, il y a eu trois noms. Il y a eu Lucifer, il y a eu Damien, puis il y en a un autre aussi. Révélation. Hmm. Ouais. Damien, ouais. Damien, c'est popé, ouais. Hey, Damien! Damien, c'est pas le Damien! Et, évidemment, dans la semaine avant le pay-per-view, il y avait Monsieur Perfect qui était associé avec Hunter Stemsley. Ouais, c'est vrai. On en a parlé, ça. Oui, sauf qu'avant le show, il était pas avec la WWF. Son dernière apparition à la WWF avant le 2002, mm-hmm. c'était en 80, le 5 novembre à Raw, avec, mm-hmm. il était vraiment avec Triple H dans son coin. Puis au commentaire, c'est expliqué comme quoi Hunter en avait assez que Perfect, puis il va le spotlight et prendre tout le crédit. Quelque chose que... C'est pas vrai, là. Que Perfect est vraiment meilleur que les Triple H dans tous les niveaux. Hein. Même le Triple H d'après, même. Ouais. OK. J'avais peur qu'il s'en parfait. Fait qu'après ça, on a Mero et Jerry the King Lawler pour commencer. Mm-hmm. Lawler puis le Stalker. Stalker puis Hemsley. Mais le Stalker, il stalkait qui, non? Mero puis Hemsley. Non, je suis tout mélangé. Gogos, Mero. Chris, décidez-vous. J'ai dit toutes les combinaisons possibles parce qu'ils ont fait ça tout le long. Au début du match, là, ils ont tagué. Là, je veux pas me battre contre lui, je tag l'autre. Ça a duré, une minute. Décidez-vous, Carlis, de quoi? Pour avoir vu le show aussi, c'était très long. Fuck, man. Puis évidemment, après ça, c'était Goldust Mero qui a vraiment commencé le combat pour vrai de vrai après une minute. Ouais. Puis Goldust a poké les yeux du Wildman pour prendre l'avantage un petit peu. Mm-hmm. Et après ça, on a eu Mero qui a pris dessus rapidement après ça. Et il a tagué Wyndham. Lui et Goldust sont les anciens de par équipe à la WCW ouais. aussi. Ouais. Fait qu'ils se connaissent très bien. Qui était pas Goldust à WCW? Non, c'était Dustin Rhodes, The Natural. Ouais. Le naturel est son nom. Son nom, vous savez. Oui. C'est ça, fait qu'après ça, après un beau flying clothesline de Barry, autour de Hunter de venir dans le ring. Après ça, aussitôt que Mero embarque, Hunter se pousse, parce qu'il a peur. Il a peur de Mark Mero, parce qu'il est supérieur à lui. Il est fou. Ouais. Ben, c'est un wild man. Ben, c'est ça. Ouais, okay. Et après ça, on a Rocky et Drew Lockenauer qui sont dans la ring ensemble, parce qu'ils ont eu l'expérience qu'ils ont lutté ensemble avant à Memphis. Oui, c'est là qu'il a fait ses, ben pas ses débuts, mais, c'est quasiment dit ses débuts, ouais. Sa plus grosse rivalité là-bas, c'était contre Jerry Lawler, là. Ouais. Dans un Loser Leaf Town, pour plus de détails, aller voir la bio de Rock. Ça allait partout. Ouais. Et après ça, on a eu, Triple H puis Rock, première fois dans le ring, un contre l'autre. La première, mais pas la dernière. Non, exactement, hein? Pas la dernière, certainement. Que non. Et après ça, on a eu Jake qui a surpris son plus grand détracteur, Jerry King Lawler, avec un DDT out of nowhere pour l'éliminer. Parce que dans les derniers mois, Jerry Lawler faisait souvent des jokes sur Jerry. Ouais, quoi, son santé. Puis... Ben, plus son alcoolisme que d'autres choses. Ben, c'est sa santé. Oui, mais c'est plus l'alcoolisme que d'autres choses. Ouais, l'alcool. Il riait de lui. Pas fin, parce que Jerry Lawler, c'est un méchant, c'est un pas fin. Fait qu'il faut un vrai, de vrai heel, ça, Jerry. Dans le temps que c'était plus accepté. 96, l'affaire qui passait plus dans ce temps-là. On dit ça, mais MJF a fait des promos. Oui. Ça arrive, là, encore. Ça arrive, mais pas à WWE. Ouais, c'est ça. Dans un mainstream, affaire de WWE. Plus non. Hypocrite. Ah. Oh. C'est hypocrite, c'est le bas. Je pense que le mot est faible. Le mot est faible. Oui. Après ça, on a le crush frappé, le Stalker dans le dos. Ce qui a laissé l'ouverture à Goldust de faire son curtain call, en fond, Reverse DDT. Ouais. En l'élevant les airs, un peu comme Devon faisait aussi par après. Ouais. Puis c'est évidemment avec ça, c'était le compte de trois, fait que Monsieur Wyndham est éliminé, puis il va pas aller voir son frère puis ses petits neveux. Bray Wyatt puis Bo Dallas. Tu souviens-tu, anecdote vraiment rapide? Ok, oui. Tu souviens-tu, une année on était à un show à Montréal, je pense que je suis avec toi, là. Entre autres. Et d'autres mondes, mais ça doit. Puis on cherchait, on voulait trouver le temps dans les hôtels, puis au bar on avait vu Dudley. Ouais, je me rappelle. Juste sur le dire. On avait vu des bandes de Dudley au bar. On n'avait pas été ensemble au show, on était après. T'es pas mal sûr qu'on n'était pas ensemble, ouais, dans ce show-là. T'es sûr? Ouais. Ok, ça se peut. Après ça, on a eu Crush avec un beau Tilt-A-Whirl Slam sur Mero.
Puis donc, il a donné un near-fall d'un compte de 2 pour Crush. Après une petite heat, il y a eu... Ouais, après une petite... Mero a surpris Hendry avec un Mero Salt. Dans le fond, Mero était sur la troisième corde. Il va être un flip, en fond, il était sur de devant. Ouais. Par en arrière, Moonsault. Ah, c'est beau, ça, c'est tellement beau. Là. Ouais, Mero, il avait des beaux moves, pareil. Ouais, ça, je l'ai fait ça sur le tremplin de la piscine, à un moment donné. Jusqu'à temps que ça arrête de te supporter, c'est ça? Ça m'a toujours supporté, en fait. Ah, ben, si. À ce temps-là, je te pesais pas 400. Non, je parle aujourd'hui. Ah, non, je fais plus ça. J'ai plus nagé. Ah, d'accord. Ouais, mais c'est comme voler. C'est comme faire du basic, ça se perd pas. Jamais été capable de faire du basic. Ok, ok. Continuons avec le match. Et après ça, le Warman fait une manœuvre à haut risque de trou. Un périlleux, ouais. Il a voulu faire un genre de dive avec Sardis Ring sur Crush, mais Goldust l'a tassé du chemin en le poussant avec Mero Crash and Burn. Ce qui a permis... Tu faisais une blague? Excuse-moi, je te coupe là. Mark Mero fait un périlleux, mais qu'est-ce qu'il fait Jake Roberts? Qu'est-ce qu'il prend Jake Roberts de l'emmener? Un périlleux? Ouais. C'est ça. C'est facile. Ok. C'est qui le meilleur chum de Jake Roberts? Je sais pas. Jack Daniels. Ok. Ouais, hey, ça voit ta gorge d'eau, là. C'est une gorge de goût? Non. Ok. Pas bon, ça, c'est compagnie. C'est pas vrai, je vous aime! Gourou, disponible partout. Oui, après ça, on a eu, après l'erreur de Mero qui est Crash and Burn, Crash en a profité pour y faire son coup de poing au cœur, son finish dégueulasse, mais finish quand même. Ouais. Pour le convier 1-2-3, fait que maintenant c'est rendu Jake et Rocky Maivia contre contre Crush, Goldust, Dollar aussi, fait que c'était 2 contre 2. Puis c'est quand même cool que ton premier match WWE Survivor Series, ton début match, le Rock, que tu sais toi et Jake Roberts à la fin, tu sais. Jake Roberts c'est quand même une légende. Oui, une légende de la lutte. Tu sais, moi ça a jamais été mon lutteur préféré, là. Il est cool Jake là, mais... Ouais. C'est moi, ça n'a pas été un de mes tops, là. Peut-être à cause de l'époque. Ça doit être ça. Mais, peut-être dans tes débuts, puis de, à la fin d'être avec Robert, je trouve que c'est quelque chose de gros, là. À l'époque, surtout, là. Ouais. À l'époque, quand il te mettait dans une position de même, c'est que, il te voyait haut dans les sphères, là. Ouais. Ça voulait dire de quoi? Ben, c'est un gars qui était respecté backstage, malgré tous ses problèmes. Ouais, ouais. Tu peux pas manquer de respect à un gars comme ça qui a tout fait, puis qu'il, en plus, il était bon, là. Ouais, exact. Après ça, on a Crush qui est en feu, qui élimine Jake Roberts avec un autre coup de poing dans le cœur. Fait que le Rocky est tout seul, un contre deux. Fait que la foule, elle commence à embarquer, le Rocky. Ouais. Puis, c'est quelque chose qui va donner plus rond dans les prochaines semaines. Ouais. Après ça, on a les deux vétérans qui se mettent à deux sur le jeune loup. Ouais. Et, pour ça, il y a Rocky qui a ducké une line des deux pour un double crossbody à Crush et Goldust. Ouais, parce que Rocky faisait des crossbodies dans le temps. Oui. Après ça, on a eu un low blow de Goldust qui est sur The Rock qui se fait tenir après ça pour le hard punch encore de Crush qui essaie de faire le triplé. Mais heureusement pour Rocky, malheureusement pour Goldust, c'est Goldust qui a mangé le hard punch. Et après ça, dans la commotion, Crush a mangé un crossbody pour un compte de 3, fait que Rocky le nez Crush. Puis évidemment, avec le coupon Kirk vient de recevoir Goldust, c'est comme des easy pickings un peu pour Rocky. Qui réussit à faire son shoulder breaker, il était à l'époque son finish pour le compte de 3. Fait que Rocky, seul survivant, son premier combat. Fait que même pattern que le premier combat de la soirée, mais sur un plus grand... disons que ça a plus aidé lui que les autres. Plus grande échelle. Ouais, un petit peu plus. On se souvient un petit peu plus de Rocky. Ouais. Dans le fond, sinon, c'était un match correct, juste un petit peu long. Là. Ouais. C'était pas... déjà que le début du match, là, avec les tags, là, c'était... Ouais. Mais tu sais, l'idée du match, c'était de mettre Rocky over, là. De mettre Rocky over puis de pousser un peu plus Mero contre Hemsley. Ouais, au début c'était ça. Ouais. Puis après c'est comme en deux temps. Ouais. Puis après ça, on sait ce que The Rock a fait par la suite. Oui. Plein de belles choses, mais un fait d'être intéressant, c'est qu'après ce pay-per-view là, un pas longtemps après ça, il y a Goldust qui fait un face turn. Quand Triple H avait trop des yeux doux sur Marlena. Oh oui, parce que Marlena, il l'aimait sa Marlena. Oui. Pendant que, ouais, pis, fait que, mettons que ça n'a pas plu à Goldust, mais Jerry Lawler aussi, dans une promo, il avait dit à Goldust, coudon, t'es-tu fif? Oh, à l'époque, c'était comme ça. Ben, c'est pas correct, ça. Ben, je sais bien. Et c'est ça qu'il a dit, are you a queer? C'est ça qu'il avait dit. Jerry Lawler, c'était souvent celui qui... C'est un shock jock, Jerry Lawler. Exactement, ben oui. Ouais. Exactement. Pis, ça, fait qu'après ça, un face-turn à Goldust, qui a duré quand même un an et demi, à peu près. Mm-hmm. Puis non, c'est ça. Fait que sinon, les autres, plus tard dans le match, tu sais, Jake n'a pas fait grand-chose. Mero, c'était... Si Koussa s'est blessé par après, puis il a manqué beaucoup de bois. C'est dommage, parce que Mero aurait pu faire de quoi de vraiment spectaculaire, je pense. Crush va joindre la chaîne de Domination bientôt, puis il va faire sa propre gang aussi. Ouais. Anyway.
Exactement, c'est le titre d'Apocalypse. Puis non, fait que en gros, c'est ça, là. Fait que Rocky Maivia est sur la map, le Blue Chipper, comme disait Jim Ross à tous les deux secondes. Puis ce qui est drôle, c'est que Goldust, je me souviens, moi, dans les années où ce que Goldust, c'était un nouveau personnage, il nous proposait quelque chose de vraiment différent de tout le monde. Provocateur. Provocateur, puis ça, pour vrai, ça a choqué beaucoup de monde à l'époque, là. Puis, mettons, là, aujourd'hui, ou mettons sa dernière run de WWE, là, parce qu'il y en a qui vont pas suivre la lutte après WWE, parce sont bloqués à un affaire, genre. Ouais, je comprends. Maintenant, c'est une légende, Goldust, tout le monde l'aime. Quand il est revenu, il y a tout le temps des pops de fou, ses matchs sont tout le temps bons, puis c'est devenu une des gimmicks, là, tu sais, mettons, on parle souvent d'Undertaker comme gimmick, mais c'est une des meilleures gimmicks ever qui a été créée, je pense. Ah, facilement, là, c'est dans minimum top 5, minimum, c'est pas top 3. Ouais, hein. Exact. Fait que, ouais, c'est fait ça, un fait ça de Goldust, puis tout le reste était correct. Ouais. On a un package vidéo sur le prochain match de la soirée. C'est quoi? Et c'est entre Stone Cold, Steve Austin et Bret Lesnar Hart, le préféré de tous. Là, on rentre dans tes feelings. Là. Oh my god, oui. À In-Ross Fine Games, il y a Steve Austin qui va être une promo. Ouais. Et pour la fois, il a lancé le défi à Bret, puis il a dit sa fameuse phrase que j'ai toujours aimée, c'est « Si tu mets la S de Nightman, t'as presque ce que je pense de lui. » C'est quoi? Shit, man. Oh. Austin était... Ouais, non, mais c'était nice. Mais ouais. C'est clever, je trouve. Ouais. Puis, ouais, fait que ça, fait qu'après ça, le 21 octobre, à Raw, le challenge est accepté par le Hitman, qui a dit oui. Ouais. Puis même, hier, le scene, c'était l'idée à Brett d'affronter Austin. Mm-hmm. Il avait fait une couple de fois aussi, quand il faisait des house shows overseas, là, mm-hmm. au Koweït, entre autres. Mais je prends ce moment-là pour faire une parenthèse, si vous ne l'avez pas vu. Cette semaine, il y a eu à The Bump, l'émission de WWE. Il y avait Brett et Austin qui étaient là pour parler de l'anniversaire de leur combat sur Survivor Series. Ok. Fait que, à voir. Ouais. Bon, j'ai question. C'est intéressant aussi de voir les deux gars, tu sais, après, puis Brett qui fait une interview, puis il y a toujours beaucoup de respect pour Austin aussi. Pis, ben oui. C'est Brett qui a mis Austin sur la map, selon moi. C'est match. Pretty much, ouais, pretty much. C'est gros match. Oh, ouais. On connaît le King of the Ring, mais c'est vraiment les matchs contre Brett. Ouais. Ce King of the Ring, c'est quand même un afterthought plus que d'autres choses, là. Si t'enlèves sa promo, là, c'est pas. Ouais, non, il y a pretty much, c'était vraiment pas excitant. C'est ça, exactement. C'est juste. Ouais. Et pour terminer, le 27 octobre à WWE Superstars, une affaire qui est reliée, mais pas tant. Mm-hmm. C'est Stone Cold qui avait pété la jambe de Brian Pillman, en mettant la jambe de la cheville dans la chaise. Ça, c'est parce que Pillman était trop content que Brett revienne challenger, fait que l'autre disait « Hey, calme-toi un peu. » Puis évidemment, Austin a snappé, puis il a snappé l'ankle de Pillman, ce qui est évidemment amené après ça à Pillman's Got a Gun, tout ça. Puis ouais, fait que voilà pour en gros pour la rivalité. Il y a plus grand-chose entre les deux, là. C'est plus après ce match-là que ça commence vraiment beaucoup, là. Ouais, t'as eu les matchs. Il y a eu son portable WrestleMania après. WrestleMania 13, oui. WrestleMania 13, il y a pas eu SummerSlam, non? Non, il y a un match à New York à un moment donné. Ouais, c'est vrai. Puis évidemment, il y a le fameux 5 contre 5, là. Ouais. Avec Team Austin contre Team Warfare Nation à Calgary, Calgary Stampede de pay-per-view. Le Stampede de Calgary. Parle l'anglais. Fait qu'après ça, on a Interview Time avec Todd Pettengill, avec Stone Cold Steve Austin. Yes. Puis tout le monde parle du best there is, best there was, the best ever will be. Mm-hmm. Mais une ass whooping, c'est une ass whooping, dit Austin. Fait que c'est juste un cliché. Fait que, un ass whooping, c'est exactement ce que tu vas avoir, Brett. Fait que, Austin est gonflé à bloc pour son match pour l'Hitman. Il y a du monde plus gonflé à bloc que d'autres, là. Ouais. Et après ça, un autre Interview Time avec Todd Pettengill, mais avec Bret Hart cette fois-ci. Oui. Brett, ce que son cours n'a pas de son côté, dit Brett, c'est que c'est un match au Madison Square Garden, une place que Brett perd presque jamais. Ouais. Puis rappelle-toi d'une chose, Steve, je suis pas gourmand pour de l'argent, mais je suis gourmand pour du respect. Puis après le combat, ben t'auras pas le choix de me respecter. C'est drôle parce que c'est vrai que Brett est très gourmand pour son. Ouais, c'est sûr. Très, très, très. Peut-être même trop des fois. Je suis pas d'accord. Brett, t'as pas déjà aussi refusé de perdre contre Undertaker? T'as vu ça aujourd'hui, toi? Ouais, c'est toujours Briscoe, c'est il a le nez tellement, tellement gros dans le cul de Vince, qui sait qu'est-ce qu'il a mangé pour déjeuner. Hey, ouais. En tout cas, on va le croire, hein, Jerry Briscoe. S'il écoute le podcast, on le salue. Match numéro 4! Bonjour, Mr. McMahon! Ouais. Match numéro 4! Stone Cold Steve Austin contre Brett Lesnar Hart. Le gagnant du match aura l'aspirant numéro 1 titre et aura un title shot à In-Ross It's Time le mois prochain.
Et après ça, on a Austin, il a commencé avec deux doigts d'honneur dans le milieu de... en face de Brett, la foule qui va être « Oh my god, non! » Et après ça, on a ensuite Austin, puis Brett qui s'échange un début technique avec beaucoup de reversals. Et après ça, Austin a changé de tempo avec des coups. Mais Brett a ramené ça au sol pour lui travailler le bras du stunner, évidemment. Parce que c'était smart. Ouais. Austin a fait le stun gun, qui est le finish qui avait l'objet voulu à Brett pour prendre l'avantage. Et après ça, Rittman est revenu à l'assaut avec... Il est revenu à l'assaut, c'était pas que son assaut. Ouais, ok. Bonne blague pendant que tu cherches. Ouais, c'est correct. Elle était pas bonne, mais merci de m'avoir backé. Ben, de rien. Fait que ça. Puis ensuite, il a renversé avec son bulldog, elle l'enchaîne dans le coin, chest first, comme Brett aimait faire souvent. Ouais, ça c'était cool. Puis après ça, Austin s'en est allé à cœur joie à l'extérieur du ring, puis il a réussi à faire... ils sont rentrés dans la foule les deux, évidemment. Stone Cold a catapulté Brett, un des commentateurs, avec de Dredd dans Hugo Savinovich, qu'on salue. Il est mort aujourd'hui? Oui. Non, c'est pas vrai, je sais pas. Je pense pas. Aucune idée. Ouais, j'ai pas checké ça avant. En tout cas, arrive pas. Ouais. Et après ça, on a eu Art qui a fait le même coup à Austin au début du match avec le stun gun. Oui. Parce que Brett, il l'a vu une fois, fait que non, tu me feras pas deux fois, fait que c'est moi qui vais te le faire à la place. Après ça, on a eu un pal driver de Art pour un compte de deux. Mm-hmm. Et la foule réagit de plus en plus au match quand le tempo monte de move en move. Ouais. Puis après ça, on a Austin avec une belle superplex de la troisième corde sur Brett. Ah, beau, mais le hic là-dedans, c'est quand que Austin a voulu faire le flip pour aller faire le pin. Brett a renversé ça, il a grippé les jambes pour faire un small package pour un compte de deux rapide. Très beau. Ouais. Très belle exécution. Fait un spot qu'il a facilement gagné le match avec ça. Ouais, ben, ça a dû arriver avant. Ouais, c'est pas surprenant. Ouais. Puis ouais, fait qu'après ça, on a eu... c'est ça, après le petit paquet, c'est 1-2 et un compte de dégagement d'Austin. Puis Austin est en crise, évidemment. Ouais. Il a tassé, il a fait le stunner après ça. Sauf que malheureusement, Brett a donné un call, fait que le temps que Austin enlève de sa position, ben il a fait le compte. Ça a le temps de dégager. Mais en même temps, quand j'ai vu ça, j'étais pas... j'étais genre... pas ben là, je me suis dit, ah, il a dégagé du stunner, c'est poche. Parce qu'il n'y a pas vraiment qui dégageait du stunner, à part évidemment vers la fin, quand c'était le compte de Rock, il dégageait 15 fois. Ouais, mais là, c'était quand même un début. Ouais, mais c'est justement, dans les débuts, c'est là que tu sais que le move est imbattable également. C'est au pire, Brett met le pied dans les cordes, on va faire la même, quelque chose pour montrer comme quoi qu'il se met, pas de kick out, outright du finish. Mais là, j'ai un blanc, est-ce que le stunner était fait avec autant d'intensité que le stunner? Dans le fond, c'est mou. Mais c'est pas que c'était mou, c'est parce que genre, c'était pas genre le classique, genre coupé dans le ventre, pis stunner. Il a juste pris comme... Ben genre, Brett, il pognait, genre, il mettait comme ça un peu. Ouais. Le temps que l'autre, parce qu'il pognait la tête par en arrière même, qu'il a fait le stunner. Ok, mais... je pense que le vrai stunner, ouais, c'est un coup de pied puis le grand swing, là, peut-être aurait été meilleur, mais en tout cas. Ben, je suis d'accord un peu avec toi. J'ai pas été un fan qui dégage ça, mais en même temps, je comprends, là, c'est pas si... en même temps, c'est Brett, on est sûrement surpris. Ben non, même à ça, il reste, je sais pas, j'ai trouvé un autre moyen. C'est aussi smart que Bruce que je salue. Hey, Bruce. Hey, Bruce. Hi, Bruce. Hi, mate. C'est pas un pirate, c'est un pirate. Ah oui? Ouais, ça va? Je savais pas. Et après ça, on a eu... Austin whip Art d'un coin à l'autre tellement fort que Brett a genre tombé. Oui, il est tombé genre en glissant sur le coin de la fin. Ouais. Puis genre tellement qu'il y a eu de l'impact, c'est qu'il était sur le dos par après. Il est rentré dos premier dans le turnbuckle par en dessous. Wow. Genre vraiment de même, là. Ouais, Brett d'un coin. Oui, mais il prenait vraiment des bouvons dans le coin, là. Son affaire de chest first était malade là, quand il faisait comme vous. Il y avait vraiment la façon de faire le bruit pour que ça fasse un impact. Là. Même si en fond, il avait jamais mal que j'ai vu dans sa biographie. Là. Ah ouais? Ben, c'est une affaire qu'il faisait tellement bien qu'il avait jamais mal. Il disait, ça fait un bon son, mais faut que tu prennes à la bonne place. Exact. Ouais, c'est, ça arrive à tout le monde. Après ça, on a eu un sleeper de Hurt, mais sauf que Austin a renversé ça en Jawbreaker, ce qui est pratiquement un stunner, mais pas totalement. Ouais. Ben, c'est vrai. Le pire, c'est quand tu y penses, c'est quasiment... ben, c'est un stunner. C'est juste qu'au lieu d'avoir que ça soit l'épaule qui prend le stunner, c'est le la tête. C'est que ça devrait faire plus mal, le Jawbreaker, ben oui, que le stunner. Une tête, ben oui. Une tête, ça fait plus d'impact. Hein. Une tête dure. Une tête plumée, en plus. Oh, t'as la tête plumée! Yeah! Après ça, on a un Million Dollar Dream de Stone Cold, oui, qui était son finish dans le temps qu'il était avec Ted DiBiase. C'était rendu comme son deuxième finish, si on veut, là, c'est... Non, à un moment donné, c'était juste son finish, pas vrai. Oh, oui, avec Ted, mais maintenant, là, à ce moment-là... C'est... ce moment-là, c'était pas son finish. Non, mais il l'utilisait des fois pour... ouais, parce que c'était Brett, il voulait faire taper le gars de chargeur avec une submission à lui, pour montrer qu'il était plus fort pour les submissions. Et après ça, Brett s'en sort évidemment avec le mot qu'on connaît là. Il était dans le coin, il a fait un petit flip avec un buckle, puis il a fait le compte de trois de même. Non?
Ben, j'aime pas ce finish-là, tu sais. Ah, celle-là, tu l'aimes pas. Ça a été fait souvent. Ouais. Brett, il l'aimait peut-être, celle-là. Ouais, je sais pas. J'ai jamais trippé ce finish-là, dans le sens que, tu sais, C'est vrai, on peut-tu les compter? Ben là, Brett, il s'est arrivé une couple de fois, là. Ouais, je pense qu'on l'a déjà fait deux reviews avant que c'est arrivé. Ben, il a fait contre Piper WrestleMania 8. Ouais, là. Puis, ben, c'est pas mal les deux plus gros moments que j'ai vu de Brett, là, qui a Mais fait c'est ça, entre WrestleMania 8 puis 1996. ouais. Mais ça, c'est. Ça, chez Normaton, c'est ce que Shayna Baszler fait quasiment tous les matchs à cette heure, là. Shayna Baszler. Ouais, c'est vrai, ouais. Quand elle fait son curfew de clutch, là, puis la fille flippe par-dessus, puis là, oh, j'ai ma soumission, mais je suis Puis pas vraiment. elle gagne jamais, Ouais, c'est là. ça. Elle a l'air stupide. Ouais. Bref. Mais sinon, finish aside, que j'aime pas, le match était excellent quand même. On peut pas. Ça changera pas que le match était masterpiece quand même. Mais un match de la soirée à date. Ouais. C'était bon, mais c'était vraiment pas le. C'est C'était leur meilleur. pas 5 stars, mais c'était fa facilement 4,5, 4,5 Ouais. sur 5 facile, là. Je dis 4. Ouais. Puis mais alors, le match sur WrestleMania 13 est peut-être un peu plus significatif avec le double turn puis tout ça, puis le Austin qui saigne comme un stuff pick, là, mais j'aime mieux ce match-là pareil parce que c'est plus un match de lutte, là. Je fais bien des faces sur Brett, mais Brett, c'est dur de donner des matchs en bas de 4 ou en bas de 3,5. Là. Pour vrai, Ouais, niveau qualité de match, là. parce que tu sais, ses moves rentrent bien, ça a de l'allure, puis il sait quoi faire à tel moment pour que la foule embarque, puis tu sais, la faire de même. Fait que... C'est le gars le plus proche moderne de Brett qui fait des matchs comme ça, c'est Daniel Bryan, je pense. Ouais. Tu sais, quand tu vois Daniel Bryan, tu fais comme, ah, il va se battre contre un gars moins bon. Puis là, à la fin, tu fais comme, man, il me semble qu'il était bon le match. Pourtant, l'autre, il est pas si bon que ça. Ben voilà, Daniel Bryan a usé son talent et sa psychologie. Seth Rollins fait pareil aussi, à mon avis, là. Ouais, mais Rollins met des fois Mais il en met un petit peu c'est trop. moins technique, par exemple. Mais côté building de match, je trouve que c'est un des très bons qu'il y a, là. En tout cas, Mais overall. moi, c'est un de mes. Toi, je sais que tu l'as mis en face, Seth. Là. Oui, en Moi, effet. je l'ai mis en heel. Mais avec le move Seth qu'il a, moi, je me souviens, tu sais, la grosse année où il défendait tout le temps sa belt, là, je pense qu'il était champion intercontinental, ou vous êtes champion intercontinental? Ça On avait été le voir, en tout cas, on se avait été peut. voir un show. Ça, c'est l'année que Rollins, là, luttait comme. Pendant une année de temps, il y avait plein de matchs, là. Puis, tous ces matchs étaient genre, quasiment des five, pas five stars, mais au moins T'es 4 pas loin, étoiles, ouais. là. Mais Bryan, c'est ça depuis quasiment le début de sa carrière. Fait que, ouais. Bref, après ça, Brett va maintenant affronter le champion à Amy Ross It's Time. Ouais. Match qu'il ne gagnera pas, malheureusement. Puis lui et Austin vont continuer leur rivalité jusqu'à pratiquement le départ de Brett à Survivor Series 97, un petit peu avant juillet à peu près, là. Avant que Austin transitionne vers Owen à la place. Puis non, fait que ça, fait qu'un excellent match, puis je vous suggère fortement d'aller regarder ça. Si vous avez regardé un match chaud, moi je vous dirais celle-là. C'est une bonne rivalité. Donc là, on vient d'avoir ton meilleur match. Ouais, c'est pas un secret de personne, non. C'est le même aussi. C'est ça. Interview time après ça, avec Psycho Sid, l'aspirant numéro 1 au titre, et Doc Hendricks, ben Doc Hendricks et Sid. Il y avait une casquette de softball blanche à l'envers, ça m'a déstabilisé, quoi, qu'en même temps, c'est un grand fan de softball, fait que ça va avec. Ça va avec, pardon. Un homme de balle. Ouais. Ça fait bizarre, mais quand même. Sid dit qu'à soir, il va faire n'importe quoi et n'importe qui pour remplir sa destinée d'être champion mondial et de battre Brett, parce que c'est évidemment le meilleur homme et que c'est le maître de l'univers. The master and the ruler of the world. Traduit en français les promos, c'est toujours drôle. Ouais. The master and the ruler of the world. Ça t'a fait triste, ça? Ouais, moi j'aime mieux ça comme ça. Les Vatican et ton MJF, du, 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 du. là. Ouais, c'est ça. Après ça, on a eu Captain Albano, Oui. qui est arrivé aux abords du ring, qui était intronisé la veille au Hall of Fame. Exact. Et il vient joindre Hugo et Carlos pour le prochain combat. Oui. Et après ça, le prochain combat, match numéro 5, le dernier match sur Series de la soirée, Oui. avec l'équipe du Capitaine Farouk, Big Van, ben juste Vader, mettons, le Ouais, BBF, Big Daddy Cool Diesel et Razor Ramon, évidemment, les fakes. Et ouais. Avec, il était accompagné de la Nation of Domination et Jim Cornette, qui affrontait l'équipe du Capitaine Savio Vega, qui était avec Yokozuna, Flash Funk, Wow. et aussi Jimmy Superfly Snuka, lutteur mystère du match. Puis il était accompagné des Funkettes, Tracy et Nadine. C'est même pas des jokes en plus. Ça s'appelait comment leur équipe de Killer? Non, 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 non. Vous êtes dedans. Oh ouais, j'ai compris. Ben, en tout cas. Murder, murder. Beaucoup de choses avant de commencer, évidemment. C'était ce soir le début de Nation of Domination avec Farouk comme leader. Oui. Il avait enlevé son casque de gladiateur bleu poudre de Nerf, là. Puis il s'est rendu plus sérieux. Et quand, en fond, c'est genre
un leader d'un groupe afro-américain qui en avait assez du racisme, la lutte et dans le monde en général. Puis avec lui, son avocat Clarence Mason et ses rappers de PG-13, Wolfie Ice et JCI, c'est Wolfie D. Les préférés de Dave. Oui, qui rappe son nouveau thème d'entrée, il est excellent. Puis après ça, on a eu Flash Funk qui fait ses débuts ce soir à la Raw Wrestling Federation. Dans le fond, c'est Too Cold Scorpio, anciennement de la ECW. Mm-hmm. Puis, excellent, Clark. Oui, il a combiné ses danseuses, les Funkettes, que j'ai dansé plutôt Tracy et Nadine. J'avais un bonhomme, Flash Funk. Oui, il était écœurant en bleu poutre. Là. Ouais. Après ça, on a eu. Ah non, En bleu poutre, d'aucun rapport avec Georges Chevalier Longueuil. Non. Plus Lynette Achereau puis Pierre Brassard. Exact. Et évidemment, Superfastoka est un lutteur mystère pour le combat. Il y a eu un gros pop, on s'en cachera pas. Là. Et pour terminer, on a Jim Cornette qui va joindre Jerry Lawler, mais Jim Ross et Vince aux commentaires. Et après ça, évidemment, le match avec Flash Funk qui met le paquet pour ses débuts à la WWF ce soir avec un très très beau moteur à sortir du ring vers Vader. Mais Flash Funk était quand même massif, mais spectaculaire. Oui, oui. Il y avait de la masse, mais Un peu comme Mark Merrow aussi, je dirais. Un peu plus gros que Mark Merrow. Oh, ouais, ouais. Mais côté style, les moves qu'il essayait, là, je trouve que ça semblait pas mal, je trouve. Pour la WF à l'époque. Un peu dans le... Gabarit, là, un peu RVD, peut-être. Ouais, un peu. Mm-hmm. C'est dur à dire, là. Ouais. Allez voir ça. Oui. Évidemment, ça lui a valu un beau chant ECW de certaines personnes dans la foule. Les Smart Marks. Ouais. Et après ça, il y avait l'un qui lui a la bienvenue avec un powerbomb qui est vraiment tombé dessus. C'est ça la tête, lui, carrément. Steve Vader. Oui. Après ça, on a un coup de pied circulaire de Savio sur Farouk. Après ça, il y a Razor qui fait un Fall Wasteland dégueulasse sur Savio. Vraiment dégueulasse. Ouais, vraiment dégueulasse. WrestleMania. Ouais. Et après ça, on a Farouk qui rentre sérieux dans le coin, rein premier deux fois. Rein. Les reins. Ah oui, les reins. Ouais, dans le dos du poteau. Oh, là. Ouais. C'est pas du bien. Pauvre Savio. Ouais. Y a rien là. Ça, c'est là. Ouais, là, c'est. Les jokes, c'est moi. Bouf. disons, on a profité pour après avec ça, puis il a fait un Jackknife Powerbomb pour sortir Savio du match. Le capitaine est éliminé déjà. Le tout... très beau Jackknife. Ouais. Puis, fait noter que Savio puis Razor Ramon, c'est les anciens meilleurs amis du monde. Farouk puis Razor Ramon? Non, Razor Ramon puis Savio. Savio, je suis sûr. Le Scott Hall qui est vraiment pas... Dans Storyline avant, Savio, c'était genre le grand chum de Razor, celui qui a fait rentrer à WPF. Pas dans Storyline, là. Bon, dans Storyline. OK, ouais. Dans Storyline, ouais. pas dans Storyline, okay. On pense pas, là. Non. Quoi qu'avec la moustache, peut-être. Ah, peut-être. On sait jamais. Power of the stash. Oui. Après ça, on a Snuka avec Razor maintenant. Et ça dure pas longtemps, c'est autour du bad guy, là, de se faire éliminer avec un super fire splash de Snuka. Mm-hmm. Puis, c'est l'égalité 3-3. Après ça, tout de suite après ça, on a 10 autres qui frappent Snuka dans le bas avec une chaise. Et tout le monde embarque pour un vrai clusterfuck. Et après ça, même Samuel qui revient de l'entrée avec une chaise en courant. Puis, évidemment, après ça, la cloche sonne. Fait que c'est une double disqualification. C'est, sérieusement, là. Ça serait quoi de faire un match? Au pire, tu l'enlèves, là, si t'as pas le temps pour le faire. C'est assez décevant. Puis évidemment, après ça, c'était de la bouchée d'Annecy, puis la crowd d'MSG était d'accord avec ce que je ressentais, puis toi aussi. Ouais, mais oui, vraiment. Puis c'est ça, fait que c'est le. C'est surtout que les matchs sur Survivor Series, moi j'ai toujours trouvé ça excitant. Oui. Parce que, premièrement, t'as beaucoup de lutteurs sur la carte. Dans ce temps-là, il y avait même 4-5 matchs sur la carte. Des fois, c'était juste ça. Ouais. À l'époque, peut-être un petit peu avant 96, là. Ouais. Mais ça donnait l'occasion de voir des lutteurs, des match-ups que tu verrais pas normalement. Dans ce temps-là, il y avait juste un Raw. Mm-hmm. Puis même avant ça, il n'y en avait pas. Fait que tu sais, ouais. T'avais pas la chance de voir tous les match-ups. Fait que, non. Quand tu fais un affaire de même, c'est con. Ouais. Fait que un match court mais horrible. Le match a été coupé avec manque de temps vu la longueur du show, mais tant qu'à ça, au pire tu le fais juste pas. Là. Ouais. C'est ça. Mais tu l'avais annoncé sûrement. Fait que... Bah ouais, mais en même temps, tu l'as annoncé pis t'as fait une fin à la face de même, on s'en fout. Mais il a compris à ce temps, il annonce les matchs puis il les enlève. Ouais, il fait beau. C'est encore pire. C'est encore pire. Plus qu'un par semaine. Des fois, c'est 2-3. Ouais. Des fois, il annonce 3 matchs pis il va faire pas un maudit. Dégueulasse. Ouais. Ben, ils s'en foutent. Ils font leur argent pis ils ont leur ratings. Fait qu'ils s'en foutent. Ouais. Quand ils vont faire des 0.2 pis qu'ils feront plus d'argent, là, peut-être qu'ils vont carry, mais il va être trop tard. Bref, de ces lutteurs-là, après ça, seuls Farouk et Vader vont être relevant un peu.
Et ben, pas un peu, beaucoup, là. Surtout Farouk, là. C'était aussi le dernier match de Yokozuna à la WWF. Il était libéré pour longtemps après ça. Puis évidemment, je pense qu'il est mort en quoi, 2000? 2000-2001, ouais. Ouais, il faudrait que je recheck, mais ouais, l'affaire, c'est que Yokozuna avait beaucoup de problèmes de santé dû à son poids, dû à ce qu'il mangeait. Puis il voulait absolument pas arrêter de manger. Ouais. Puis ben justement, en parlant de ça, t'as fait une convention tantôt pour Brett puis Austin à The Pump, ouais. Mais allez voir le spécial de Yokozuna sur Icon, sur le network. Je l'ai même pas checké. Moi, j'ai checké. C'est excellent. Ah, oui, c'est sûr. Ouais. Fait que allez voir ça, revoir ça, puis vous allez voir ça aussi. Ah, je suis déçu, j'aurais dû y aller, je vais y aller tout à l'heure. Ben, des fois, la vie, il y a tellement d'affaires à faire, hein. Ouais, il va tout le temps être là. Oui, et ben, on souhaite, là. Ouais, on souhaite. Ouais. Et après ça, on a ensuite un petit vidéo sur le main event de la soirée avec Sid contre Sean. Tu veux rendre au main event? Oui. Ouais. C'est vrai que ça paraît pas long dans le review, mais le show était long. Ben, quand même. 2h54. Pour le nombre de matchs que c'est beaucoup, là. Ben, 5 matchs, et ouais, c'est surtout qu'il y en a un là-dedans, et le 3 contre 3 qui a duré 5 minutes. Fait que c'est 4 matchs, dans le fond, également. Ouais. Fait que c'est ça, fait que on a, la vidéo est racontée par Todd Pettengill. Puis plus de détails sur la rivalité entre Sean et Sid, ben allez voir à travers la table, on a fait le Go Home Show qu'ils viennent d'avoir, puis on a tout expliqué la rivalité là-dessus. Fait que allez voir ça, là, sur YouTube seulement. Ouais. Puis raison de plus pour ceux qui sont pas sur YouTube, allez vous abonner pour voir ça. Et après ça, on se lance. Marketing thing. Ouais, it's the best thing. Match numéro 6, c'est le main event de la soirée. Oh. Mais enfin, il y avait 6 matchs, on a dit 5, 6, 6. C'est ça. Ouais. Shawn Michaels, le champion défendant, accompagné de son mentor, Osé Lothario, a affronté Psycho Sid pour un match du championnat de WWF, évidemment. Puis, moi, j'ai jamais été un grand fan de Osé Lothario avec Shawn Michaels. Hein. Non, non plus, ça fait 0. Ça fait genre le gars sexy boy, cocky au bout, que les filles tombent dessus avec son grand-père, tu sais. Pourquoi il est là? Bah ben, parce que c'était dans le temps qu'il voulait l'avoir avec lui, je sais pas. C'est juste Sean qui voulait l'avoir? Oui. Ah. Ouais. Mais en même temps, il était important pour ce combat-là, avec la fin qu'on va dire tantôt. Ouais. Mais tu sais, en général, Super Shock, là. Est-ce que c'était peut-être un mentor à l'extérieur, puis qu'il aidait Sean? Ben, s'il l'avait aidé beaucoup dans sa jeune carrière, là, au début, là. Ouais, je me souviens, on l'avait parlé. Ouais. C'est lui qui... Non. Ben, peut-être, là, mais... Ah non, je m'excuse, parce que j'ai écouté un documentaire sur, okay. Sur Sean, sur... je ne sais pas quelle plateforme, il y a eu quelque chose, là. Ouais, c'est... Ah ben, le pas le Any Biography. Exact. Ouais. Ouais, c'est pour ça que... Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, non, j'avais été un fan de leur pairing. Tu sais, je peux comprendre de temps en temps. Comme WrestleMania 12, je comprenais, là. Ouais. Tu sais, que c'est quand même son boy dream qui veut rester puis avoir le gars qui l'a aidé à ses côtés. Ah, ouais, c'est ça. Mais tu sais, après ça, ben, ça a même duré, 96, ça a duré, ouais, ça a duré un petit bout. Ouais. Et la foule est derrière Sid pendant les entrées puis il est super over, ça n'a pas de sens. En même temps, à New York, c'est une foule aussi qui s'en calisse, là. Ils vont cheerer pas mal pour le bad guy en partant, là. Ouais. Fait que ça l'aide pas, mais quoi que, dans ce cas-là, Sid était pas vraiment ill encore en général, là. Mais Sid était over. Sid a toujours été over. C'est fou, là. C'est un gars dans le ring, il en fait pas beaucoup, là. On se cache pas. J'ai quand même trouvé, je trouve quand même que c'est un gars sous-estimé. Mais ça, c'est sa meilleure run, la WBF, ouais, 96, là, quand il est revenu, puis il se faisait contre Sean, pis des gars de même, là. Même contre Vader, quand on l'a fait à Tiny Ross Buried Alive, c'était un assez bon match, pareil, pour un match entre Sid pis Vader. Ouais, pour des gros gars, là. Ouais. Pis non, un Sid motivé, là, c'est une assez belle affaire. Ouais. Et pour le combat, on a Sean qui a coupé ça avec un chop block pour grounder son plus grand adversaire. Après ça, on a un Let's Go Sid, Sean scande la foule. C'est qui tracasse beaucoup Shawn Michaels qui. Le briseur de cœur. Mais legit pour vrai dans ce combat-là, il était en crise là. Ouais. Parce qu'il dit pourquoi le monde cheer Sid plus que moi, c'est moi le babyface. Eh hey, t'sais, Sean, prima donna, fait que c'est sûr. Là. Après ça, on a eu Sean qui a essayé un figure four, mais quand il s'est tourné, c'est de le pousser avec son pied dans le coin shoulder first. La puissance du grand géant. Oui. Et l'avantage est de courte durée pour le cingler. Quand le champion le dropkick dans le genou pour prendre l'avantage et évidemment continuer le travaillage de jambes sur Sid. Après ça, on a Sid qui lance Sean dans la barricade avec un military press. Oui. Bon, il pogne de main puis là, il fait ça de dropper sa barricade de gorge première. Est-ce que Sean faisait la prise en quatre comme soumission dans ce temps-là? Ben, il faisait des fois. Ouais, hein? Ouais. C'est son move pour travailler. Ouais. Ben, ça reste que c'était... Après, le sharpshooter qui a pris après, là. Ben, sharpshooter, le G7, vraiment contre Brett, là. Mais non, il faisait après aussi. Non. Le fait contre Cena, le fait contre... Ah ouais, par après, son second run de Keyword. Ouais, second run qui l'a sauvé côté carrière en maudit parce que s'arrêter Shawn Michaels, il aurait jamais revenu en 80, après 98, là, Brett a arrêté avant lui, certain. Là, il est pas avant?
Non, non, mais non, j'adore Brett, mais côté all around, Sean is better. Ouais. C'est juste que j'aime jamais eu Brett parce que c'est préférence personnelle, mais Sean est meilleur que Brett, là, je suis capable de l'avouer. Wow. C'est ça que je peux avouer qui est meilleur que Brett. Non, t'as-tu été avec le Dr. Shelby? Non, non. Sit down! Non, non. Okay, c'est bon. Après ça, on a eu dans un spot qui a produit un légendaire meme. C'est Sean qui reçoit une botte de Sid, puis Sean il bump en faisant une charrette dans les airs, sans les mains. Ouais. Fuck it, I'm a tree. c'est carré. Et après ça, on a eu Switching de musique, mais c'est bloqué par Sid qui fait un chokeslam à une main sur Sean. Ouais. Pour un compte de deux. Après ça, on a un comeback de Sean avec le K-pop, sauf que c'est de le knockdown tout de suite avec une clothesline. Fait que 1-2 dégagement du Heartbreak Kid qui veut garder sa ceinture le plus longtemps possible. Ouais. Après ça, on a Sid qui est dans le coin et qui prend une caméra. Et pendant qu'il y a la caméra d'un qui se revoit à faire son shot sur sur Sean, il y a Ozan Taro qui embarque sur le turnbuckle pour l'attention de l'arbitre et de Sid aussi. Puis ça de répondre ça avec un coup de caméra dans le chest, avec un petit bruit là avec la caméra, il y a un micro sur la caméra. Ouais. Fait qu'il a entendu le cri c'est pas un bon pas le fun d'entendre. On était sûr que Ozzy avait fait une crise de cœur à ce moment-là. Ben oui, c'est vrai. C'est pas jeune. Non. Ouais, fait qu'après ça, on a un switch in music réussi. Sauf que malheureusement, Sean voit Ozzy à l'extérieur du ring se tenir le chest à terre. Fait qu'il va voir, là, il fait fuck it, moi c'est mon mentor, c'est ma légende, mon ami. Ouais. Fait qu'il va voir Ozzy, il dit amenez de l'aide. Ouais. Puis après ça, il y a un style qui ramène Sean dans le ring pour que le ref bomb se passe. En fond, c'est Sean Sid qui whip Sean dans le coin, qui saute et qui fait un crossbody en se retournant, sauf que c'est Earl Hebner qui mange le crossbody, tant mieux. Mais c'est drôle, hein, pareil, quand on dit qu'il va voir son ami à l'extérieur, quand un compte de 3 par clic. Logiquement, il gagne, puis il va le voir après. 3 secondes, ça changera pas le. Ouais, mais ça montre comme quoi que. Ouais. Il est pas self-centered encore, qu'il y a un cœur, puis que tu sais. Malgré qu'il était quand même self-centered. Ouais. Mais tu sais, c'est le Heartbreak Kid, fait que c'est fait briser le cœur, lui, avec. Pas chaud. Ouais. Après ça, on a eu évidemment ça. Après le ref bump, il y a Sean qui a tourné voir après ça encore Ozzy. Puis là, c'est là que c'est arrivé avec la caméra, puis il a fait Sean dans le dos. Pendant que Ozzy est encore reste grab the chest, puis personne qui vient l'aider. Il fallait l'aider, tabarnak. Tout le monde s'en fout. Ouais, c'est ça. Même, pas juste nous autres. Ben là, c'est pas au point de voir une crise de cœur. Une crise de cœur, c'est vrai, frapper dans le chest. Ben ouais, par une caméra de 200 livres, tu sais. Franchement. Ouais, 125. Ah, ok, c'est le poids, toi. Ben oui. Ok. Ben, correct. Je parlais pas pour elle, je sais pas. Ok, ben, t'es pas obligé, là. On va te croire, là. Elle est pesante, ok? Elle est pesante. Puis après ça, il a monté Sean dans la ring, puis il a fait son powerbomb pour le compte de 3. Puis je sais pas si t'as remarqué, là, quand il a fait le compte de 3, là, moi j'ai checké, ben, pas le premier coup, mais j'ai checké deux fois, voir de quoi. Puis je checkais la foule, genre. Puis à un moment donné, tu vois, il y a genre une fille qui est là comme ça. Puis quand c'est le compte de, après, ça fait 1, 2, come on Sean! Là, le 3, elle fait ça. Oh. Non, j'ai pas vu. Ah, c'est malade. Là, je check ça, c'est malade. Elle fait genre, 1, 2, come on Sean, 3. Oh. T'as gars à côté d'elle qui est comme ça. C'est malade. Ouais, fait que c'est ça. Fait que nouveau champion du monde, Sid, le cinglé qui a profité que Sean avait la tête ailleurs pour profiter puis gagner le combo pour la ceinture. Fait que en fait, ce qu'il avait dit, sa destinée est remplie. Ouais. Et end of the pay-per-view. Ben non, après ça, il y a Sean, évidemment, qui va voir Ozzy, puis là, d'un coup, il y a de la civière qui arrive pour aller avec lui, puis Sean suit Ozzy avec civière en rampant dans le milieu du ring, ben pas milieu du ring, mais dans l'entrée, puis là, évidemment, il essaie que ça avec la ceinture pour tenir le pay-per-view, évidemment, puis là, c'est bizarre, Sean a montré comme quoi il y avait un cœur derrière ses airs de cocky showstopper, tout ça. Ouais. Pis ouais, fait que c'est quand même un match qui était intéressant. Ouais. Tu m'as mis le haut de la bouche, puis j'ai sorti de la tweet. Puis après ça, ouais, ben tu sais, t'as battu Brett à In-House It's Time. Évidemment, après ça, la rivalité a continué jusqu'à Rumble 97 au Alamo Dome à San Antonio, Texas, que Sean a regagné sa ceinture contre Sid devant sa foule, son hometown crowd. Ouais. Puis ça, fait qu'un très bon main event avec un très beau finish. Ouais. Pas mal ça à dire. Fait que là, regarde, c'est ça. Le PPV est terminé. Dans l'ensemble, c'était bon. Ouais. Fait que Match of the Night,
On l'a dit tantôt, c'était quoi? Brett contre Austin? Brett contre Austin, puis le worst match de la série. Ben, le match Team Savio contre Team Farouk. C'est ça. C'est... Ben, tu sais, en général, j'aurais peut-être dit le match de Survivor Series de Rocky. Là, ouais. Parce que c'était long un peu pour qu'est-ce que ça avait. Avec quelque chose. Ben, au moins, c'était le début de The Rock, quelque chose de spécial. Là. Puis moi, je vais aller avec ma note, je vais donner 7.5. Oh, c'est okay. Moi, je donne 8.5. Oh. Ouais, parce que qu'est-ce qu'il y a eu? Le match de Taker contre The Mankind, c'était très bon. Brett contre l'autre, c'est quasiment 5 stars. Mainman, c'était excellent. Le premier combat avec Owen, le stretch de la fin quand c'était juste Owen puis Bulldog, on les deux autres, c'était excellent aussi. Puis tu sais, oui, le match de Savio contre Farouk, les équipes de Star Series, c'était pas bon, mais au moins c'était court, ça n'a pas été si long que ça. Puis l'autre était long, mais en même temps, c'est quand même de quoi d'important dans la balance de la lutte. Par après, le début de The Rock, c'est pas rien, fait que ça mérite facilement un point, un, deux points juste pour ça. Là. Fait que 8.5, moi je trouve c'est correct. Oui, fait que c'est ça. Fait que c'est un série 96 et rapide. Oui. Puis comme je disais tantôt, on voit le match de Brett contre Austin. Puis ouais, j'avoue que le show complet se regarde bien quand même, là, même si on a dit des mauvaises affaires sur deux matchs. Là. C'est à regarder. Si vous êtes un fan de lutte, c'est à découvrir. Ouais, on peut skipper le match de Savio contre Farouk, les équipes de Fire Series, puis après ça, that's it. Le reste, regardez tout le reste. Surtout Sonic fait un commentaire dans le deuxième match. Et là, je te donne un break de m'affronter pour perdre. Parce que ces derniers temps, tu ris bien, mais ces derniers temps, tu n'arraches contre moi. Ben, si tu n'arraches tout court, c'est pas vraiment passé contre toi. Ben, c'est quand même le seul qui t'a battu. Ben oui, c'est quand tu me bois, c'est 2-1, 2-0, 1-0. Moi, quand je te bois, c'est 6-2, 6-1. Ouais, ben moi, je suis le même. Je suis un gars que je attrape. Quand ma trappe marche pas, okay. Je me fais compter. Ok, ben, fais-toi la trappe. Pose des questions. Le quiz. Le quiz. Je t'ai concocté un spécial Survivor Series, évidemment, pour ça. C'est fait sur Wikipédia, ton quiz? Wikipédia m'a aidé, okay. Mais j'ai l'impression que ça c'est pas un mauvais quiz. Parfait. Mais, c'est qui va décider de ça? Ben, c'est moi. J'ai fait 10 questions sur ma petite feuille qu'elle a. 10 sur 10, garantie. Oh, non, que je pense peut-être pas. Là. Dans le fond, dès la première question, c'est sûr que tu l'as pas. Bon, ça va bien. C'est une question quand même nichée. Fait que, commençons, s'il vous plaît. Tout enregistre, c'est parfait. À Survivor Series 2019. Ah, okay, c'est sûr, 2019 en partant. Juste avant la pandémie. Oui. Dans quelle ville était situé le pay-per-view? C'est-tu côté sur... Quand je t'ai dit, t'en auras pas 10. T'as pas de réponse en plus, évidemment. Je voudrais les 10. Ouais, vas-y donc. On a déjà habité dans ce quartier-là. Mais pas dans la vraie ville, pas dans la même ville. Mais notre quartier avait le même nom que cette ville-là. Puis toi, tu connais pas les quartiers, ça va pas bien. T'es pas Chicago? Non, faut que tu sois précis. Rosemont? Et c'est une bonne réponse! All right, Rosemont, all right. Je te l'ai donné, là. Rosemont, all right, ouais, l'indice, c'est Rosemont, sûr. Rosemont, Illinois. Ah, ok. Ah! C'est pas un indice, ça. Il était fin. Tu vois comment moi je suis. Ben ouais, mais on fait un quiz de là, pis une bosse de nom de ville qui avait un show dedans. Un autre aura pas les autres pareils. Ah, oh, c'est sûr, oui. Autant, ok. À Survivor Series 2018. Oui. Qui accompagnait chacune de ces équipes? Et le match était AOP contre Cesaro pis Sheamus. Cesaro pis Sheamus, c'était Big Show. Pis AOP, c'était Drake Maverick. Et c'est une bonne réponse! Ah, yes, c'était épicé dessus, hein? Comment? C'était épicé dessus, Drake Maverick. Oui, oui, c'était fait chaud après. C'était dégueulasse. C'était d'ailleurs. Pour vrai, en plus. Oui, pour ceux qui suivent pas l'actualité, Drake Maverick était un des lutteurs qui a été releasé. Un des lutteurs, c'est général pas mal, il y en a eu 80 cette année, tu sais. Il y a eu aussi, dans les plus populaires, Tegan Knox et John Morrison, qui rejoint sa femme qui avait été licenciée la semaine d'avant. Décevant. Mais tant qu'à faire le clown de même, il est aussi bien allé ailleurs. Puis, c'est à cause de Demise qu'il va mettre le clown. Ah, c'est pas à cause, c'est pas Demise qui a voulu ça. Oh, non. Bref, question numéro 3, 13. Survivor Series 2015. Ok, c'est pas pire. Qui est sorti de l'événement champion WWE? J'ai pas le choix de répondre. Non, c'est correct. 2015, hein? Ouais. Qui est sorti de l'événement champion? Avec la ceinture, c'est à la fin. Là, ouais. Je suis champion. C'est pas Sheamus. Et c'est une bonne réponse. Oh, yes. Après avoir encaissé sa monnaie ouais, de bain. Ouais, contre Roman Reigns. Un match Reigns contre Dean Ambrose. Après que Reigns a gagné.
Je vois que j'étais arrivé, puis il avait frappé, il s'est frappé par Reigns. C'est le pareil, je peux toujours trouver dans... Ben, c'était l'entente, c'était le CEO, là. C'est vrai. L'entente de l'Authority. 3-3 dates. Ouais, mettons 2, là. Mais... Non, ça compte pareil. Quatrième question. Survivor Series 2006. Oh, Ness. Dans le premier match de la soirée, qui Carlito a affronté? Survivor Series 2006. 2006. Je sais que c'est Noël, je pourrais être généreux et donner un indice. Je vais le faire. Je me sens généreux. Ok, vas-y. T'en as parlé dans le podcast aujourd'hui. Ah, Shelton Benjamin. Mauvaise réponse, c'était Charios. Non. Ouais. Pour vrai? Ouais. Mais voyons donc. Ouais. Tu mets les galas, ça va être le kick-off, ça? Ouais. Ah, ok. Ouais, premier match. Ouais, tu m'as eu, je t'assure que c'est Charlton. Mais, c'est Charlie Rush, comment? Aussitôt que tu m'as dit que je fais Charlton, c'est sûr, mais non. C'est Charlie. D'accord. Mais ouais, c'est vrai que Charlton et Carlito se battaient souvent en compte à un moment donné. Peut-être un petit peu plus avant, sur genre 2004. Sur, 2004-2005, genre. D'accord, okay. Mais. C'est correct. Dans la même année, question numéro 5. Cinco. Survivor Series 2006, toujours. Nommez-moi les. Nomme-moi les 5 participants. Le Team Cena. Tu peux déjà commencer par Cena. Cena. RVD. Eddie Guerrero. Big Show. C'est qui l'autre, ce petit tabarnak? Rey Mysterio? Non. J'en ai manqué un, c'est ça? J'en ai eu deux. Ah, j'en ai eu juste deux, hein? Je vais tenir la main. John Cena et RVD que tu as eu. Mm-hmm. Les autres étaient Bobby Lashley, okay. Kane et Sabu. Sacrément, ouais. Ouais, non, ben, dans ma tête, j'ai fait comme toi, je pensais à celui de l'année d'avant. Ouais, c'est dur ces années-là pour eux. Ouais. C'était pas contre genre Test, Omega puis des gars de même, là. Exact. Big Show. Ouais. Question numéro 6. Survivor Series 2002. Désolé, j'avais là ma feuille d'en face pour les autres temps. J'étais concentré. Quelle était la stipulation? Quelle année? 2002. Ok. Summer Series, toujours. Ok. Il y avait un match entre Trish et Lita. Quelle était la stipulation de ce match-là? C'était pas le match de retraite de Trish, là? On cherche la stipulation. Ah, oh, ok. Une stipulation spéciale. 2002? Je sais vraiment pas pour moi. C'était pas. Je pense pas trop loin. Je suis bien fin en soi. Je pense pas trop loin. Je suis bien fin en soi. Je suis un homme exceptionnel. Pourquoi pense pas trop loin? Pense pas trop loin. T'es creuse-toi pas, cherche pas, là. T'sais, c'est pas. No DQ? C'est un match hardcore. Street Fighter, c'est aussi hardcore. C'est un hardcore match. Correct, c'est pas bon, je l'ai pas eu. C'est pas grave. Cela va être plus tough, par exemple. Question numéro 7. Siete. Survivor Series 1993. Ah, oh, ça va, ouais, c'est sûr. Quel était le sous-titre tagline de l'événement? C'est les frères. Ouais, non, je sais quoi. Je l'ai en plus dans ma tête, c'est dans le poster. Puis dans le poster, t'as même... Qui est-ce? C'est Tatanka, Luger... Non, c'était Tatanka au début, ça c'était Taker. Taker, Luger, puis les Steiner Brothers avec une grosse fourchette qui avait une dingue de Yokozuna dessus. Là. Ouais, exact. Asti, c'était quoi? Ah, le tagline, maintenant, c'est... C'est j'adore ce quiz. Tout qu'un quiz. Je suis le nouveau maître des quiz. Pas maintenant. Non, je sais pas, moi, passe de potato, je sais pas. Non, ce qui est drôle, c'est que tu t'es comme donné toi-même un indice, ça s'appelait le Thanksgiving Eve Tradition. Ok, ouais. C'est juste ça. Ok, c'est pas vraiment un tagline, c'est plus genre qu'est-ce que c'est vraiment, là. Mais non, c'était Survivor Series Thanksgiving Eve Tradition. Ok. Ouais. Ok. Yes. C'est ça, je fais que le poster. Non, j'ai eu pas juste un poster, c'est juste que c'est pas vraiment un tagline. Ben, c'est parce que tu sais, tu peux dire ça de n'importe quelle année, là. Non, pas vrai. Ben oui, c'est le temps du game de Edith Edition. Non, parfait. Ok. Dans le temps, ça l'était. Je suis à Star. À Star, c'est encore à Star, c'est encore Alice, fait que. Question numéro 8. Oui, Ocho. Oh,
pense que je vais pas marquer la règle, en 1991, qui a éliminé IRS pour donner la victoire dans un match 3 contre 3 à son équipe et était aussi le seul survivant avec une autre personne. Il était le survivant. C'est un match élimination 3 contre 3. Qui a éliminé IRS qui était le dernier membre de son équipe? Je sais, c'est quelle équipe qui avait gagné le match à la fin. C'était Lodi qui avait gagné, mais si je me rappelle, c'était Hawk ou Animal. Je m'a dit Hawk. C'était Animal! Non, je savais. Mais parce que Hawk a fait le clothesline, ouais. Mais j'étais pas sûr s'il y avait genre, il avait roulé pour genre l'autre avait pinné dessus après pour être sûr qu'il pinne pas ou whatever. Mais je savais que c'était eux autres. Bref. T'es moins de savoir. Neuvième, et ça c'est bien sûr comment c'est concept. Neuvième question. Doué. En 1999, comment a fini le match et qui a remporté le match entre Kane et X-Pac? Tu veux savoir quel genre de match c'était, t'as dit? Je veux savoir comment le match s'est fini, puis qui a gagné. Comment la personne a gagné. C'est quoi? C'est juste 99? Ouais. Mmh. Oui, Main Event, c'était Big Show, tout ça, là. Rock, Triple H. Ouais. C'était pas je pense que c'est une affaire la semaine standing, puis Ken avait gagné à cause qu'il avait dumpé des boîtes sur X-Pac, je sais pas trop. Là. C'est pas ça? T'as une bonne réponse sur deux. Ken a gagné, ouais. Par DQ. Ok. À cause de quoi? Road Dog, genre? Ça, je sais pas. Ah, okay. J'ai checké dans Wikipédia. Okay. Mais là, je viens de faire une petite erreur. Quoi? Je vais retourner. Mais en fait, oui, j'avais une question pour toi, mais j'avais pas l'année. C'est un peu dur de. C'est la dernière question, tu parles. C'est la dernière question. Okay. Fait que je vais peut-être même aller en chercher une autre. Fait que ça sera pas bien long, les amis. Parfait. Pendant ce temps-là, ben oui, évidemment. Vous nos prochains rendez-vous et tout ça. Oui. Prochain rendez-vous, bien évidemment, les prochaines semaines, on a les Wrestler Series qu'on va faire le preview, que le vrai WWE qui s'en vient. Mm-hmm. Évidemment, il y a ça aussi, on va faire le review de Wrestler Series et de All Out aussi. Mm-hmm. Full Gear, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, qui était un très bon show. Mm-hmm. Puis aussi, on a évidemment, au mois de décembre, le review de l'année, avec nos choix pour les matchs de l'année, toutes les patentes, les lutteurs de l'année, les divas de l'année, toute l'équipe, la femme de l'année, pardon. Et aussi, on a Noel Bird, le review du film et de la rivalité après ça qui a eu lieu. Puis évidemment, après ça, en janvier, on a notre biographie. Puis pendant qu'ils cherchent, on... Ouais, c'est bon, j'ai. OK, parfait. Ben, la biographie au mois de janvier, puis des Rumble reviews qu'on va faire aussi. Fait que restez à l'écoute. Ouais, on va vous déboiler ça tout de suite après le quiz. Exactement. Survivor Series 2003. Oui, d'accord. Il y avait un match Team Bischoff contre Team Austin. Mm-hmm. Je veux que tu me nommes les 10 participants. Sacrément. OK. Team de Team Bischoff, Team Austin, c'était Shawn Michaels, Booker T, les Dudley Boys. Yeah, c'est l'autre que je me souviens pas. RVD. Et l'autre côté, Team Bischoff, c'était Randy Orton, Scott Steiner, Mark Henry. Test. Ah non, on n'a pas test. Christian puis Chris Jericho. Et c'est une bonne réponse pour les 10. Oh shit, ouais. Wow. Nice, ouais. Ah oui, je m'en rappelais. Ouais. Ouais, ouais, let's ouais. Go! Wow! Est-ce que question bonus, est-ce que tu peux dire qui accompagnait Eric Bischoff? Ben, il y avait Theodore Long, me semble, avec... Il y en avait deux. Il y avait Stacy, Theodore Long, ouais, c'est ça, puis Bischoff. Puis qui accompagnait d'autres équipes? Juste Austin, me semble. Ouais, exact. Ouais. Puis à la fin, c'était pas Batista qui est arrivé pour faire powerbomb à Sean pour qu'il Orton le pin quand Sean avait la face ensemble, puis qu'Austin était comme « Oh, c'est Sean! » Puis c'était match. Bon, reste machin était écœurant, hein. Ouais. Peut-être pas ça que je m'en suis rappelé de même aussi. Mais regarde, en all in all, c'est quoi, j'ai eu 5 sur 10? 5 sur 10. Fait que, mais c'est la dernière, moi, que je suis bien content. C'est solide pour ouais. Mais elle était facile, mais pas facile en même temps. Ouais. 10, c'est quand même dur à nommer. Ouais, quand même, 10 lutteurs, j'aurais pu facilement me tromper sur un des 10, là, pis y'a pas de bonne réponse. Félicitations! Merci. Bon quiz. De ton exhibition. Ouais.
Fait que comme ça, tu vas pouvoir profiter d'une victoire avant de perdre la prochaine. En parlant à mes parents et mes amis. En parlant de prochaine, oui. C'est l'heure. Oh, vous oh, oh. Tous de vous, de vous annoncer la prochaine biographie. Notre cinquième? Sixième? Sixième, je sais pas. Là, je sais plus, à cette heure. Notre prochaine, on va dire. On joue tout vite. Et le prochain, je sais pas où je vais vous le mettre d'en face, mais notre prochaine biographie sera, roulement de tambour, Sid le cinglé. Oh, mais tabarnouche. C'est correct. Sid le cinglé. Ouais. Psycho Sid, on a beaucoup à parler de son sujet. Plein de stint à la WWF. J'en connais un qui va t'exciter, notre ami Alfredo. Ben oui, on va essayer de l'avoir. On va l'avoir. On va l'avoir. On va le booker. Ouais, on va se préparer d'avance. Et Alfredo, là, telle journée, viens-t'en, on va faire Sid. Ouais, j'ai déjà appelé. Oh, parfait, good. Ouais. Fait que c'est ça, la prochaine, prochaine bio, ça va être Sid, mois de janvier. Ouais. Puis on peut annoncer tout de suite des Rumble Reviews qu'on va faire. Un, parce que les restes, on n'est pas sûr encore. Non. Ça va sûrement être deux autres ou un autre, on va voir. Ça va dépendre des dates. Ouais. Checkez vos dates. Puis non, fait que un qu'on va faire, c'est Royal Rumble 2011. Celui avec 40 lutteurs. Et on était présents. Et c'est ça, une raison spéciale pourquoi on le fait, c'est parce qu'on était là, on va prendre notre perspective du monde dans la foule. Le live à Boston. Il y en a qui étaient contents, il y en a qui étaient moins contents que le problème de Triple H. Moi, c'est pas juste le résultat aussi, j'étais très déçu. C'est vrai. Ouais. On a parlé justement avec un de nos invités qu'on a eu à travers la table, la première édition. On en a parlé un peu avec vrai, lui. Vrai. Allez voir ça. Le final two. Oui, exactement. On n'en dira pas trop, là. Alors, maintenant, écoutez le podcast. Ouais, c'est que ça va être au mois de janvier, on va faire ça en 2000. Le Rumble 2011, puis on a une petite idée pour l'autre Rumble qu'on va faire, mais on va checker ça, nous autres. On checker ça. Je check ça, il est poilu, ça, non? Ah ouais, quand même. Excusez. Belle observation. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, puis on va remercier évidemment nos commentateurs, gourous et tabouristiques.ca. Ouais. Puis, évidemment, allez nous voir sur Twitch, sur Facebook, sur Instagram, Twitter, Apple Podcasts, Balado Québec et Spotify. YouTube aussi. Puis, dans le pronom, ça va être notre premier anniversaire sur Apple Podcasts. Fait que. T'as reçu un message, quoi? Non. Okay. C'est juste qu'on a fait l'année en review, premier qu'on a fait là-bas. Puis là, on est rendu au prochain. Fait que quand on va voir le prochain, ça va être ça. Puis, je suis pas sûr, là. Mais il me semble que bientôt, on est au centième épisode dans le jeu de métal. C'est-tu le centième? Ben là, c'est pas notre centième déjà, mais ça s'en vient, je pense. Oh, tard! Faudrait que je check mes notes, là. Si vous voulez nous envoyer un gâteau, vous envoyez l'adresse postale pour nous envoyer des cadeaux, des gâteaux. Mais gluten-free, s'il vous plaît. Ouais. Ah ouais? Non, pas vrai. Non, ok. Non, moi, il y a pas longtemps que les gluten, j'ai arrêté de checker ça. Ben, surtout quand je suis né, non? Ok. Fait que le mot de la fin, DJ? Ben là, c'est ça, je pense. Hein? Ouais, bonne soirée à tout le monde. Merci d'avoir écouté le podcast. Puis parlez-en à vos amis. Dites qu'il y a un bon podcast d'autres qui se fait au Québec. Puis c'est avec TJ Holliday puis Mark. Ouais, fait qu'on finit ça avec une note positive. C'est qui ton lutteur préféré? Tito Santana. Allez, va!